Eh bien, heureux à ceux qui ne sont pas là pour la plupart. Arrête avec ça. Eh mais on joue à Super Smash Bros. Mais oui, ah tout oui. à fait. Peut-être veux-tu t'occuper de l'exploration pour why cette not? partie du jeu. Parce que j'avais fait l'exploration lors de l'épisode précédent, avec la fin de l'expédition dans Youb. On te voit pas très bien, chaîne. Oh, bon, ouais. J'ai laissé de la place, voyons. Ah bon, c'est bien, tu te copies aux commandes. Ah, oh, rien tout ça. Ah, je crois que ça s'appelle les ruines des statues, c'est ça le nom de la zone du jeu. Il me semble. Le nom de la zone du jeu, là, non, de cette zone. Ah, moi, je vais essayer l'interrupteur à 4 personnes, tiens. Oui, mais d'abord, je vais explorer. Ah. Est-ce que ça nous oui. présage des altérations de statues? Ah oui, pour monter la pente. C'est très mania, mais il s'arrête juste pour petit. Mais tu es un génie! Et ce match! Je suis un génie! Ah. Fais tomber la tourelle, j'aurais crié au génie. Tu n'en as eu que 4! Ouais, mais je sais faire ça. Tout le jeu comme ça. Ah, je savais pas si ça les faisait tourner, tiens. Je crois que je l'avais fait sans faire exprès lors d'un des derniers lives. J'avais oublié. Mais je pense rien que de savoir s'il y a une cutscene qui se déclenche quand tu essayes d'entrer. Je pense que l'accès dans ce temple nous sera refusé. Oh, j'avais pas remarqué, mais quand Mario et Luigi sautent, les bébés lèvent le poing à leur place. Oui, effectivement, ouais. Génial. Bon bah oui. Au début, j'avais remarqué ça pour bébé Mario. Je me dis, ah tiens, bébé Luigi le fait pas. Mais en fait, si, mais il lève l'autre ouais, bras. Il a fait l'autre bras, ouais. Ah, si, on peut rentrer. Mamma mia! Qu'ils n'ont pas assez. Ils n'ont conquis ces terres qu'il n'y a pas longtemps, ils ne connaissent pas l'endroit. C'est vrai. Les efforts de guerre. Pour rien. Mario, tranquille. Tiens, tiens. Je sais qui c'est. Décidément, il y en a qui ont de la bêtise à Ah, répondre. Mais oui! La journaliste. Oui. Qui doit être une grand-mère, du coup, dans l'époque du présent. Si vous passez par l'entrée principale du dôme, vous serez repéré pour chasser. Et pendant Luigi, les bébés font diversion. Ah. Comment vous vous souvenez de moi, hein? Avoir l'illustre reporter de Chronique Koopa en face de vous, vous intimide, non? Ah, comme je vous comprends. Il n'y en a qu'un seul qui m'est pensé. Assez papoté. Cette histoire va faire encore plus de poids que celle de l'île de Yoshi. Voici le scoop. La princesse Zampi va arriver d'un instant à l'autre. Comment elle le sait? Ouais. Elle fait partie du complot. Elle est remplacée. Ah là, c'est source. Oui, il va y avoir beaucoup à faire pour célébrer la conquête du royaume champignon. C'est une collabo. Et c'était juste les frites, voilà le steak. Une autre princesse également. J'aime beaucoup cette expression. Ah ouais, et je pense que je peux la réutiliser. Hein. Ça, ah c'était ouais. juste les frites. J'aime voilà beaucoup. Le steak. J'aime beaucoup, ouais. Une belle allégorie. Mamma mia. Mamma mia. Pasta. D'après mes sources, cette autre demoiselle aime beaucoup le rose. C'est beurre d'eau. Comment? La princesse Peach. La poupée qu'ils amènent ici est la princesse Peach. Peach était à bord d'un truc spatio-temporel quand la princesse Zampi l'a capturé. Je vais être direct. Allez-vous tenter de sauver la princesse Peach adulte? Oh yeah. Je ne pense pas que vous réussirez. Mais quel scoop ce serait si vous étiez de taille? Mais des gobelins, Luigi! Très bien. Si vous avez besoin d'entrer dans le dôme pour retrouver la princesse, hein. Ah, mais j'ai ajouté un signe de trop.
Eh bien, d'après les rumeurs, il y a un passage secret dans les environs. Les rumeurs n'étaient jamais bien précises. J'ignore où ce passage se trouve. Oui. Vous ne réussirez pas à entrer par là. Alors mieux vaut trouver l'entrée secrète. Voici le seul indice que j'ai. L'entrée est reliée à quatre statues du désert. Oh, je me demande de quelle statue il s'agit. Ouais. Maintenant, mettez-vous au travail et trouvez cette entrée. J'ai moi aussi mon enquête à mener. Et bonne chance. Luigi. Ah, le tour du monde. Ils ont quand même remis la dose d'humour centrée sur Luigi, quand même. Dans le 2. Attends. Non, il y a un passage vers la gauche. Ah oui. Oui. À toi de jouer chez Trion pour résoudre l'énigme du désert. Oh non. Je pense qu'on peut leur sauter dessus. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'était un piège. J'aime bien l'écran du haut avec l'effet de chaleur. Oui. Hein. J'ai envie de tenter de si son corps peut être tapé. C'est ça. Oh, là, je suppose que c'est cool. Ah ouais. Comme bien que dans sa tête. La perspective au secours. C'est pour réduire ses attaques en fait. Ouais. Oh. Ça s'est fait. Ah oui, non, c'est pas. Oh bah, si tu le veux, hein. Oh oui, oui. Je veux. Let's go. Okidoki. C'est de là, il y a que toi qui as joué. Attends, comme ça je suis bien. Bah ouais. Bah en fait, quand t'es à gauche, je me suis dit que toi tu tiendrais la croix directionnelle, mais. Bah ouais, ouais. C'est vrai que. Ça... Ouais, bah celui-là. Es-tu prêt? Ouais. Oh la chance. Oh! Ah, je suis énervé, je crois. Perdu. Allez, il avait levé son bras à droite. Ouais, il avait fait un salut de clarion vers toi. Mais quoi? Les combats durent moins longtemps avec Tan. Ah, beaucoup, j'aime bien. Ah. Oh non. Là, c'est la moustache. Non, c'est la vitesse. Non, on va faire la vitesse à derrière, franchement. Ah non, c'est pour les bébés en fait. Parce qu'ils ont un niveau de plus que les autres. Tout s'explique. Yo! Ah, dommage. Chance à toi. Ah, oui, non, c'est vrai. Sinon je continue hein. Tu es passé à côté d'une croix, si jamais. Oui, c'est vrai. Je... Ah, c'est une énigme. Ah. Oui. Ah d'accord. Bon, je m'imagine qu'il faudra étudier la carte en fait, ouais. Et après savoir. Il va y avoir peut-être un tuyau ou autre chose. Que... Ah, c'est ça, bah, le gros tuyau rouge peut-être. Ouais. Ah, c'est plus sympa que ce que j'aurais cru, tiens, franchement, prime abord. Mais si on fait la carapace, on peut se débarrasser de son corps. Ah oui.
C'est pour ça qu'ils nous ont donné des carapaces dans le premier bloc de la zone, oui. C'est une énigme. À droite, il va falloir. Ah. Ah, soit c'est les bébés, soit il faut se mettre en boule. Tiens, ah, bah il va nous dire. Pas rouler la boule dans le canon, bah c'est ça. Ah. Ah. Est-ce que la tireur serait dans ce gros tuyau rouge? Ah ah. Ah, pas de convenient. Alors je me demande. Ah, mais faut d'abord chercher le canon, il devrait peut-être qu'il va s'allumer. Non, non, mais. Je me suis gouré de touches. Voilà, ouais, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il faut pour les bébés? Bah, tu Ah, oui. T'avais dû appuyer sur. Ah, oui. Oui, je voulais appuyer. Alors, je me demande si c'est pas là qu'on peut mettre. Activer la... le truc de tout à l'heure, là. Mais... La statue? Bah, peut-être. Mais ouais. Ça me paraît mais après. Bah, ouais, mais après, le truc, c'est que. On n'a pas encore bien exploré la zone. Ouais, donc on va voir ça. Oh tiens, tiens. Nouvel objet, mini chomps. Oups. Les bonbons qui m'attaquent. Les villes. On peut les utiliser sans les bébés. Ah oui, ils sont poursuivis par les chomps, ils ah, appuient sur le bouton de celui qui... C'est rigolo. On va attendre d'avoir les bébés. Bah, ça en fait, ça n'a pas de différence entre les bébés. Moi, je pense que si on fait le feu, les bonbons éclatent tout. Bah, c'est ça, après, le... bah, on a presque plus et le jeu nous a. Mais oui, je suis d'accord pour utiliser les forêts. Essayons, ouais. Parce que pour la science. Oh! Pourquoi tout à l'heure ça avait pas fait de dégâts? Oh un chouïa plus tard. Excellent. Un chouïa plus tard. D'accord. Ce qui a vu fufu. Non. Ah oui, sur les bébés c'est quoi? Ah, c'est pas facile quand même. Ah, je me suis dit, attends, ce poisson, je me souviens, dans Super Star Saga, il allait bondir. J'étais pas sûr. Oh. Ah bah, 7 n'est pas assez. Donnons-le en 8. Ah bah attends, t'es... Oh, mais les bébés, ah, bah, ouais. Les bébés ne sautent pas assez haut en fait pour... Ah attends, mais c'est assez long. Ah, d'accord. Bon, c'est... ok. Mais même si les bébés de toute façon atteignent l'interrupteur, ils peuvent pas l'atteindre. Hein. Peut-être que si, mais... On peut vérifier. Ah si, ils sautent peut-être assez haut. Alors celui-là c'est un autre. T'as... Ah mince, j'ai plus de... Oui. Je pense que les blocs colorés ils les atteignent. Ouais. Au secours! Ah, mais. Ah oui, bah. La statue me semble d'être de plus petite taille. Ah oui.
Vous attendez que je le passe avec Mario. Ah ouais, c'est métal. Métal comme ouverture. Un peu, ouais. Ah zut. Ouais, je pense que je m'y suis mal pris. Mais non. Ah, c'est vrai, ils peuvent sonner. Je me doutais d'aller oublier. Attention. Ah ouais, oula. Je crois qu'il est haut en fait. J'ai l'impression qu'il est plus ah, haut. Peut-être. Mais est-ce que tu peux pas. Ben, ça a pas marché tout à l'heure, mais ça te fait pas bondir si tu gravis la pente en roulant? Je pense pas que ça fasse un saut. Non, je pense pas. Ouais, non, ça va. Non, il faudrait un tremplin. Ouais, pourtant, ça a l'air d'être. Ou alors, c'est le stick que tu n'avais plus. Peut-être que tu n'avais plus à faire la diagonale. Quatre spectateurs, ils ont vu ma performance fort de la chienne. Écoute, c'est parti pour. On va tester ça. Voilà, ça, on n'a pas les bébés. Une Pokéball ! Go ! C'est un peu ça, oui. C'est rigolo que le chien fasse des dégâts aussi. Oui. Ah, c'est de plus en plus rapide. Oh tiens, c'est Kémé, je vais parler de toi après, c'est dans live. Oula. Ah, ça m'est pas fait là, t'as bien quoi. Oh, bonsoir, c'est Kémé. Ah, bonsoir, rapide. Là, je saute pas, c'est bon. Oh merde, je pensais qu'il allait feinter. Scrognieux, les poids frères, c'était mieux. Ah, mais ils sont tous d'accord, c'est quand même bien. Ah, il n'y a pas de noisettes. Enfin, oui, mais à la place, c'est des pastilles champignons. Ah, oui, c'est vrai. C'est ça. Non, t'inquiète pas. Ils sont presque morts. Ah oui, c'est vrai que... En vrai, les objets, ça fonctionne bien dans ce jeu. Ouais, ouais, c'est... Au début, j'étais par-dessus aussi, mais ça passe. Ah, la pause. Ouais. Tchatching. Ça va, effectivement, ils reviennent dans le jeu suivant. Oh là, youhou! Petit bonus d'expérience, ça fait plaisir. Par contre, des petits champis, ça serait pas mal. Comment ça a manqué, hein? Le jeu nous en distribue pas trop. Bon, après, il donne des super champis. Ben, il faudrait aller au nord. Ah, c'est marrant qu'il y a un pass... Ah non, c'était... je croyais que c'était la limite de l'écran, mais non. Ils sont aussi fous que dans Superstar Saga. Un peu, ouais. Ouais. N'oublie pas de vérifier si tu peux faire plusieurs fois. C'est pour ça que j'allais revenir. Oui, oui, bah oui, oui. Non, mais même, ouais. Ah. Attends, peut-être que les bébés devraient... Oui. Ouais. Mais bah, je peux te donner la manette aussi. Je suis nul aussi. Ah. Dépêche-toi. Ah, que dois-je faire? Non, je panique. Panique. Dans sa blague, il allait échouer. Ah. Eh, hey, peut-être que j'ai échoué. Ce serait trop drôle. Ah, c'est bon, non. Julie. C'est une énigme. Un compte à rebours pour choper le bloc. La zone de nord-est, elle est inaccessible. Enfin, il y a une forêt de cactus. Eh, j'aurais dit toi tout à l'heure de se faire manger par des cactus. Ouais, j'avoue, j'y pensais, ouais, là. C'était... Voilà, tout était écrit. Ah ouais, ok. Comment Luigi a l'air sûr de lui, regardez. C'est vrai quand il est bien le menton là. Et
Et regarde, c'est toi qui pousse pour se déplacer comme ça, effectivement. Ah, maintenant, Mario et Luigi sont des ninjas. Mmh. Et maintenant... Et c'est vrai que quand ils sont séparés, il faudrait se déplacer comme ça. T'as vu, c'est Camille, on joue à Metroid. Mais non, on joue à Sonic. Ouais. On dirait presque une baie. Après, ça, c'est un coup à foncer sur un ennemi et déclencher un combat. Ça va, c'est suffisamment maniable pour qu'on puisse... Oui. Eh mais Mario Luigi va pas pouvoir revenir par là. Peut-être un raccourci. Moi je me souviens, c'est que surtout, bah non, il y avait le canon. Ah si, ah, ah si, oh, si, si. Ça nous fait mal. Ouais, ça nous fait mal. Bon. Et ben voilà. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Il y a un tuyau et un bloc de sauvegarde aussi à l'ouest, ça m'intrigue. Let's go. Bon, on sait quoi faire contre lui. Oh, c'est pas vrai. En plus, c'est tout bête et tout, mais j'arrive pas. Ah. Ah, les mauvais. On est mauvais. La glace. Ah, il faut savoir que j'ai rejoué vite fait à Mario et Luigi 3 pour voir la 3DS et tout, la capture. Et en fait, la fleur de fée de retour, mais par contre, si tu te trompes sur le bouton du personnage, ça met fin direct à l'attaque. D'accord. Donc, faut la faire gaffe la fois où on fera ce jeu. Je pense qu'il est presque mort. Oh, comment ça tourne en une. Oh, carapace vert, on va récupérer. Parfait. T'es pas là pour récupérer les bébés? Oui, je les cherche. Oh, cool. Ah. Et moi je te propose ça d'aller à l'ouest parce qu'il y a un bloc à comment ça fait. Ah mais oui. Il y a un écran qu'on n'a pas visité. Ah mais foutez-moi la paix. Oui, je vois que ça fait de la dopamine. Ah, d'accord, ce sera pas en toi. Ouais, ce sera sans doute quand on... C'est un raccourci pour, je pense, voyager plus vite pour... C'est une pour énigme pour la je pense que c'est pour la réexploration. C'était plus bas, hein, le... Non. T'as vu, hein, le loot. Mais bien joué. J'avais pas du tout prévu ça. C'était marrant parce qu'on voit des rails en fait depuis le début. Et là, j'ai vu un train qui était planté dans le sable. Sympa comme, comme détail. S'il y a des rails, c'est qu'il y a des trains et ils l'ont fait. Notre Audimat a été divisé par deux. Non. The Secret Entrance. Oh my god. Bah le saut normal Non mais Mario Luigi peut sauter. Oh. je sous-estime toujours leur saut. Il est un peu plus haut que dans Oui. Bah en fait les bébés, ça aurait mérité un bloc caché aussi. Bah les bébés ont le saut en fait de Mario Luigi de Super Star Saga. Un peu moins, j'ai l'impression. Un petit peu moins, ouais. Bien joué. Là, le seul que je vais pas vérifier, ce sera là où il y aura le bloc caché. Rouge.
Le temple Koopa. Oh, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Vénération du tuyau bleu. Le saint tuyau bleu. Ça rappelle que j'ai revu le joueur du grenier Disney 2 entre guillemets avec les jeux Phoenix Games avec Blanche-Neige et les 7 Clever Boys. Tu n'as pas les plagiat de Disney de joueur du grenier? Oh mon dieu! La Disney 2! Bah en fait à la fin il danse autour d'un feu de camp en forêt en pleine nuit et il fait ça attend. Oui ça dit quelque chose, j'ai dû voir celui-là. Parce que je sais que j'en ai loupé pas mal depuis un temps les joueurs du grenier. Oh là là! Nouvel environnement! Oh, c'était bling! Ah, fantastique, vous avez trouvé le passage secret! Maintenant, écoutez-moi, la princesse Xampi va arriver dans un instant. Tous les Xampi sont rassemblés de l'autre côté du mur. Pas une Xampi! Regardons par l'une de ces fenêtres. Ah, c'est des fenêtres. Et regardez ça, regardez les Xampi! Oh! Ça va chier. Ah ben là. Ça va chier. Je suis outragé. Oh, enfin, ça y est, il n'a plus d'excuse pour ne rien voir. Bah on a la grande prête maléfique justement. Bon désolé l'écran du jeu est petit mais bon on peut pas. Je n'ai pas internet là en ce moment, je l'ai éteint parce que on a fait la science avec Benno à chaque fois que. Alors on profite peut-être de la scène. Ah oui merde c'était automatique. Oula! Oh les yeux, je pose! Ah oui! Allez, il va jeter. Même pas! C'est toi! Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait à la princesse? Ils vont l'offrir en sacrifice au tuyau sacré. Pardon. Hi Xampi! Hi Xampi! Ouais, ouais, hein, la grande plaine, hein. Ah oui, vous voyez toute sa patte là, quoi. Le grand sacrifice a été fait. Zut. Ah bah voilà. Un autre sacrifice. Là, il vient lui dire oh, mais après. Ils sont pas choqués, ils ont vu Peach se faire bouffer, mais ils se disent ouais, oh, c'est bon, on peut la sauver. Hein. Non, je pense qu'en fait, Mario le fait on peut toujours la laisser crever. Oh yeah. Ouais, de l'autre côté. Bah, j'en fais pareil. Alors... Ah, il y a une croix. Oh. Oh, c'est l'île de Cross. Oui. Eh ben, merci en tout cas, Fred, d'être passé. Puis, bah, à la prochaine. Dors bien. Ah. Oui. Comme ça m'énerve le dialogue Twitch qui met pas la majuscule automatiquement quand tu démarres un message. Bah, ah, non. Oh là là. N'en fais pas, nous ne t'en rendrons, nous ne t'en voudrons pas pour ça. Bah non, c'est vrai que Twitch n'a pas de correcteur automatique, je crois. Pas de croix ici, de ce côté.
Ah ah ah, Monsieur Lui. Nous avons Monsieur Lui. Ah tiens, avant que la grande forêt ne parte, regarde les acrobaties que peut faire Mario Luigi. Ah ah, ninja. Et maintenant, bouboule. J'ai dit, et maintenant, bouboule. En fait, je pense que ta parole est un peu hachée si tu restes parler comme ça, en fait. Ouais, mais voilà, je suis un gros flemmard. Ah oui, non, mais je veux dire, mais du coup, en fait, il y a des mots qui seront pas entendus, c'est ça que je veux dire. Oui, sans doute. Dans le dernier épisode de Mario et Luigi Z, Arc Cyborg, Mario et l'autre là, ainsi que Baby Luigi et l'autre là, s'en tient du ventre de You par bah, la seule sortie possible, hein, c'est-à-dire Peggy 18. Ouf, est-ce que l'effet c'est Peggy 18 ? Dans Twitch, ouais. Enfin, plus maintenant. L'espace de quelques heures. Regarde ça, Ben. Oui. Ah oui. Et se retrouver dans un désert en V également, étonnamment, de Xampi. Les Xampi offrirent à la princesse Peach, à ce Flora Piranha, qui l'absorba pour devenir plus forte. Cependant, elle a besoin d'absorber l'autre fille, ou Cyborg, pour devenir la Flora Piranha parfaite. Mais je pense que Mario et Luigi peuvent y entrer, en fait, via le... Ah ouais, bouboule. La bouboule. Quelqu'un parvient-il à frapper Flora Piranha assez fort pour qu'elle recrache la princesse Peach? Ah non, ils peuvent pas. Ah, ah si, si. Bah oui, mais en fait non. Ah mais je sais. Ah que c'est. C'est bon ça, c'est un environnement égout qu'on ne voit pas très souvent dans les jeux Mario Bros. Par rapport au métier de plomberie des pompiers. C'est très, très rare qu'on voit vraiment des environnements comme ça. Oh. Ah, il va falloir faire un circuit très... Il va falloir revenir très vite en haut, en fait, je pense. J'en ai l'impression. Je suis un peu deck d'avoir loupé le boss d'avant. Ah, mais je pense que tu seras deck quand tu vas le regarder, Monsieur Lui, parce qu'on a bien joué. Je pense qu'il aurait voulu voir notre cerveau bugger. Bah, il va regarder à la rediff. Je vais, ça va, on a bien joué. Mais on a une pensée pour toi, Monsieur Lui. Oui. Non, en vrai, son gimmick était très facile à. Oui, là, ça aurait été grave. Là, franchement, ça. Continue, tu vas me donner la manette. Un dollar de plus. Oh. Oh tiens, c'est marrant le bloc là. J'imaginais voir Mario et Luigi faire du 20 dégâts pendant 30 minutes. Tiens les deux, non. Mario, bébé Mario. Ah, A plus X quoi, ça que je veux dire. Oui, parce que j'essaie de faire... Ça doit être autre chose, ça. Peut-être... Non, à un moment... Quand tu auras eu la fève, j'ai cru voir qu'il y avait un... Vous pouvez monter là-haut, là, ici. Oui. Ah, donc plus tard. Ah, tu peux allumer la lumière, du coup, avec le bloc. Pour les adultes. Ah. Ah bah oui, il y avait des... c'était déjà là. Ouais, mais j'ai eu ça, ouais. C'est marrant de voir le soleil de Mario Sunshine apparaître en 2D. Désolé. J'ai essayé de faire mon... Pourquoi désolé? Non, parce qu'en fait, je rigolais parce que j'ai vu que t'as voulu me flex et du coup, je m'en suis moqué. Ah bah, j'ai joué, j'ai perdu. Oui. Et j'en ris. J'en ris de me voir si mal. Bah, te précise c'est... pas. C'est pas j'en ris, c'est jeu. Je ris de me voir si mal. Oh, ça me rappelle dans Tintin, tu as un perroquet qui troll des criminels. Gros plein de soupe. Oui, c'est le même perroquet, je crois, parce que en gros, à un moment, t'en as un qui joue aux fléchettes, mais il rate. Oh, ah oui, match on va dire, punch. Et ah bah tiens, c'est pour lui. Et en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui loupe sa cible, il fait raté. Oui. Et à la toute fin, du coup, dans la conversation, bah t'en as plusieurs qui font mais tu vas te taire, sale tête volatile de malheur. Et à la toute fin de leur discussion super sérieuse, t'en as un qui relance une fléchette qui rappe et tu l'entends dire encore raté. Ouais, je me souviens, j'ai vu cet épisode. Ça m'avait trop fait marrer. Oh, mais c'est trop drôle ça. Oh oui, la maltraitance des bébés. Ha ha.
Allez, une petite dernière pour Meteor Storm. Merde, c'était Mario. Aidez-nous par pitié. Libérez-nous du malin. Ça, bah oui, ça peut revenir. Genre, tu savais pas. Non, pas si, mais non. Non, ou pas. Non, mais en vrai, je savais que t'allais pas exprès, mais. Non, j'ai même pas exprès, j'avais. Ah, mais j'étais surpris que t'avais oublié qu'il revenait du coup au début. Oui, j'avais oublié. Oui, mais t'as pas exprès de les maltraiter, mais tu te souvenais plus. Voilà. Oui, c'est ce que je disais. La dernière fois, c'était pas si exprès que ça. Putain, j'ai appuyé au pif sur Mario. Attends, je regarde. Attention, c'est une énigme. Voilà, putain. C'est bien, hein, c'était bien le bouton, hein, de tremper. Ouais. On appuie sur le mauvais, je fais avance. C'est pour l'amour de Dieu, tu sais. Attention, on flex, mais on va pas trop. Ah, est-ce non, que tu étais. Ah, oui, non, je fallait pas tourner. Non, là j'ai été. Hop. J'ai encore pas regardé. Ah mais en plus tu fais le joystick, hein, t'es un fou. Ouais. Ah. Oui, on va rentrer sur Step. Ah ben j'en ai bien l'impression. C'est le match. J'ai raté. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. C'est la fée bleue de Fredo. Oh, pourquoi ils ont fait pas tout Luigi pour un raté, tu sais quoi? En plein dans le du 7. Bon, et bah pour le spectacle, monsieur lui. Ça rigole plus, hein, des grosses lèvres et une sucette. Alors là, ah, tu rajoutes. Ah, c'est un bébé exampoïde. Donc pour le moment, il n'y a pas de sucette à viser. Alors, on va faire des attaques normales pour le début. Ils sont pas full point de vie. Bon, c'est pas grave. Ah, en haut. Oh. Eh ? Ah, d'accord, c'est un vote. Pour savoir. Ah oui, il y avait plus de haies. D'accord, ok. J'avais rien compris, genre. Ah, bien joué. Et tu dis, raconte. Ah oui. Alors, comment le gameplay va changer ? Oh là. Ah, hein, d'accord. Ah. Ah oui, il faut frapper après le. Eh, et j'aurais bien aimé voir la suite. Mais bon, pas drôle qu'on a voulu. Oh ouais! Oh là là! Oh, c'est complexe! Ouais, on aurait peut-être dû regarder le tutoriel au complet! Non, j'avais tout compris! C'est juste que c'est complexe! Ouais. En fait, il y en a trois, c'est ça, il y a trois boutons! Ouais, oh la vache! Ah non, seulement celui qui a la chaîne? Parce qu'il va nous le dire! Non, tu pouvais payer, moi aussi j'ai l'impression! Pourquoi il nous dit pas la suite? Ah, quand même! Bouton, du bébé. Ah, que le bébé qui est au bout. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a que les bébés qui ont le marteau en fait. Ils veulent le bébé qui est sur le champ qui pouvait agir aussi. J'avais l'impression, mais apparemment non. Il doit juste sauter par animation en fait. Ah non, en fait, le bébé qui est sur le champ te permet de savoir lequel bébé sera ouais, derrière ouais, en fait. C'est ça. D'accord. Oui, bon, t'es con. Hein. Ok, donc, go! Pour l'instant, t'as fait quoi? Il n'y a que Mario qui fait tout le travail.
est-ce que c'est toujours... Ouais, non, ça change. C'est ça qui rend l'attaque intéressante. Merde. Ah oui, si j'ai pas compte... Ah. J'adore quand il rate. Ah, mais c'est marrant quand on rate lui aussi. Attends, c'est qui? Ah, okay. C'est toi. Il déteste Fuji tout ça. Ah, mais il la balance vite, mon pfff. Non. C'est quand même rigolo, mini-jeu. Oui. Franchement, oui, quand on rate, c'est très drôle. J'appuie en fait, je vois la vitesse du choke, c'est ça la punition quand tu trouves deux boutons. Ouais, mais je s'agrande tout seul aussi. Ah oui, oui. Alors, est-ce que ça va encore être Luigi? Ah non. C'était Luigi. C'est la plus. Parce que j'en doute, on peut tuer tous les deux. Hein. C'était elle. Ouais. Ah, et il attaquera deux fois s'il se trouve. Bah oui, il y a deux bottes en fait. Mais il déteste Luigi. Ah bah, Mario est super beau. Hein. Est-ce qu'on peut le dépasser? Ah ouais. Ah oui! Oh oui! Ouais, moins de défense. Le combat dure moins longtemps avec un. Ah, là, fait plus de dégâts. Ah, ouais, en même temps, il a moins de défense aussi. Ouais. Ok, Midichon, peut-être qu'on peut lui faire très mal. Hein. Ouais, hop. Pokéball, go! Oh, ça, ouais. Ouais. Il déteste Luigi, c'est incroyable. Et Luigi en plus. Et Mario. Mais putain, il va vraiment vite. C'est incroyable comme il déteste Luigi. Ah, incroyable. Attention, nouvelle attaque. Luigi, Mario. Ah oui. Ah, quoi? Ah, d'accord, ouais, rebond. Oh ah, génial! Le bébé Luigi qui est allé. Je pense qu'on va peut-être se soigner. 15 PV. Ouais, 30. Ouais. Bon, bah, si c'est l'attaque, Luigi qui l'attaque, Mario. Quoi, mais. Mario, attention. Ouais, 3 fois, pardon. Hop, puis oh! Et oui! Là, ça y est, en fait. Et là, quelqu'un va dire oui, mais là il n'attaque que Mario, comment ça se fait? Mais parce que Luigi a assez souffert, ça y est. Ils ont leur quota de souffrance de Luigi. Ah non, il nous faut Luigi. Ah bah là, non, en fait, ils veulent le brûler davantage. Brûle en Luigi. Oui, frère Marco chelou, fortement. Ah le pauvre. Tu vas. Oh non, il est rebrûlé toujours. Attends, herbe, peut-être l'herbe, ce serait pas mal. Ouais, l'herbe. On a des herbes vaches. Ah, c'est là pour Luigi. Génial! Pouit-pouit, pour prendre le cul. La grande vraie qui dit ah oui, les frères chelous m'ont fortement irrité à l'instant sur YouTube avec l'écriture STMF. Ah, hein? C'était trop bien! Bah, tu sais, il y avait des. Ah oui! Qui parlaient langage STMF. Ah, il a regardé les. Ouais. Alors Mario. Luigi. Mario. Ah! Félix, ouais. Ah! Oh la vache. Oh bah ouais. Luigi, Mario, il faudra pas taper après. Ouais. Bah ça tombe bien, j'en avais besoin. Ouais. C'est vrai que ces attaques sont vraiment intéressantes. Hein. Je suis en train de regarder, du coup je suis revenu pour vous confirmer que cela m'avait fait tiquer. Ah pourquoi le canon? C'est quand même plus rigolo le Billy Chose.
Oui, en plus, je crois qu'on avait fait mention de la grande traîne de sauvage, je ne sais plus. En mode, oh, ça va l'énerver, c'est sûr. Je sais plus. J'y pense, mais en fait, il n'est plus des buffs. Il aurait peut-être fallu refaire. Ouais, ouais, c'est ce que je pensais. Oui. On se met en mode difficile comme matin. Merde. Merde. Je voyais le message. Oui, vous avez dit que ça m'énerve. Ah si, toujours des... Ah, non, ah parce qu'en fait, on avait pensé à la grande frère, ouais, on avait dit. Ah oui, les drères, Mario. Pardon, Pomme. Pas les frères, les drères. Oui, je me doute que... Ah oui, c'est de celui qui fit finalement. Est-ce que ce jeu, c'est le syndrome de Tears of the Kingdom? Rien ne se passe dans le présent, tout est dans le passé. Mario, je crois. Et Mario, wow. Bon bah, à plus tard, la grande Fred. Bonne nuit, la grande Fred. Mario, Luigi. Merde. Hein? Ah d'accord. En fait, j'ai l'impression que c'est la fourberie. Et il y en avait qu'un poison. Bah ouais. Ce truc-là, c'est un double exemple. Bah, Luigi a tous ses points de vie, peut-être pourra pas le soigner. Attends, est-ce qu'il a moins de défense? Ah non, c'est que moins d'attaque. Ah ouais, les debuffs ont l'air aléatoires. Et ce truc-là, c'est un bébé Xampi. Il régresse bien avec l'âge, visiblement. Ah! Le canon. Xampoïde. Ah, Xampoïde, hein. Pas Xampoïde. Ouais, c'est pas Xampoïde, c'est un Xampoïde. Luigi. Ah, ça y est, il redéteste Luigi. Et Luigi. Oula, ouais. Luigi. Dès qu'il lève le bras, tu t'appuies. Ouais, ouais, je me sens. Ouais, y'en avait un, j'ai un doute. Ah, je suis... Ouais, j'aurais dû agir. Je peux m'appuyer au cas où. Après ça, les boules de feu sont assez lentes. Mais putain! Ça y est! le visage quand il... Ouais. Ouais, t'as raison. Pas quoi, ouais. Alors, il convertit les champis en l'effet, bien, je pense. Il l'a pas fait tout à l'heure, mais peut-être qu'il le fait à un moment donné. Mmh. Ou peut-être qu'il l'a fait et qu'on s'en avait pas bien. Ah, ça dépend sa baisse. Ouais, est-ce que... Après, bah, je soignerai Luigi. J'espère qu'il va pas perdre son debuff, là. Ou pas. Bon, allez, douceur du guerrier. Allez, baston. D'accord. Ah, attends, je me suis mis dans, on a pas raté tout. Ah, mon chétrio. On a réussi. C'est terminé pour les attaques frères. J'avais toujours du mal avec les réflexes à appuyer sur la bonne attaque. Les persas empoisonnés. Comment ça se fait que les persas empoisonnés modifiaient, pas altéraient la capacité à faire les attaques frères? Hein? Je comprends moins. Perso empoisonné. C'était ma haine. Ouais. Et maintenant, un grand Xampoïde. Ouais, ouais, ouais. Oh, Big Man. Oh, ouais. Bon, tu vas monter ta... Et merci pour le GG. Augmentons la moustache. Nice. Bébé Luigi. Oh, yeah. Oh, j'y arrive pas.
C'est vrai que trois fois. Ah, oh, c'est comme ça. Ah, c'est marrant, la princesse Shroub, elle a tout, elle assistait à tout. Ouais. Oh, ça clélait. Assiste en même temps, ouais, jamais on a eu autant d'ennemis en même temps, attention. Hein. Exemple. Ah ouais, j'aime bien comment, comment ils agissent et tout, enfin, ils ont vraiment des coutumes. Ah, parce qu'ils deviennent violets à moitié. Oh, ça va, moi ça m'a jamais posé de problème. Quel homme poétique que l'exempi, tout à fait. L'exempi sont sensibles, l'exempi sont parfois poètes. Ah tiens, il y a une boutique. Oh non. Non. Mais quel... Ah, l'arme des bébés. Oh non, je vais lui foutre une tarte. Mais non. Mais non. C'est vrai, tu vois Mario s'énerver sur Luigi comme ça, quoi. Ah bon sang. Bon sang, bon sang. Ah mais en fait, ouais, donc c'est le visuel qui fait que tu as un peu de mal à savoir quel personnage il s'agit, quoi. Bah, il était franchement cool ce boss. Ouais, mais les boss sont super cool dans ce jeu. Mais là, ouais, je crois que c'était mon préféré. En plus, bah, il est super drôle parce qu'il vote tout le temps pour Luigi quasiment. Je me demande s'ils ont fait exprès ou si vraiment c'est du pur hasard. Ah oui, c'était à toi de continuer l'exploration. Oh, tu peux continuer si tu veux. Ça ne me dérange pas du tout. Oh, oh, more, les netto-psychopathes, comme je les appelle, parce que dans Mario Foot, ce sont des psychopathes. Ah bon, on peut acheter les objets frères. Typiquement, oh, j'avais trampoline, mon jeu sur R4 et en anglais, donc je loupais tous les dialogues. Mais le simple fait que l'humour est majoritairement visuel a fait que j'ai, pu en profiter pleinement. Oui, bah oui, c'est vrai. Clairement. Oh, ça peut faire prendre de vertige. Par contre, c'est cher, hein, 94. Bon, pas des frères Marteau. Ah oui, frère Marteau, ça devait être un peu. Ouais, là, tu devais dire. Eh. Ah oui, il y a aussi des pour la vitesse. Tiens. Bleu. Après, je sais pas si ça sert beaucoup la vitesse. Enfin, je veux dire, il y a pas. Ouais, non, pour moi. Non. On peut pas attaquer deux fois en fait dans un tour. Ouais. Quoi. À moins que ça permette, je sais pas. Mais bon, enfin, je veux dire, c'est surtout pour le début du combat en fait où c'est important la vitesse, quoi. Je suis déjà pas très fort en anglais alors à l'époque. Ah ouais, j'imagine. Moi, je suis content, j'ai réussi à jouer à la trilogie Phoenix Wright qui était en anglais sur la 3DS. Hey, vous avez cassé notre mur, alors la moindre des politesses serait de voir dans deux. Hey, au moins, ce serait juste deux fois. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Le musclé. Ah, on avait obtenu des pantalons tout à l'heure, on a oublié de regarder. Ah oui, on a eu un badge punch. Tu as aussi, raison. Ouais. Mais aussi un pantalon, je crois. On a eu un pantalon? Il me semble, ouais. Devenez invulnérable à toutes les altérations de statut. Ah ouais. C'est pété. Mais continuez à garder ouais, encore plus de pièces, ouais. Encore plus. On aurait eu un nouveau vêtement, tu dis? Un bleu d'adulte, ouais. Ça incite à bien agir. Ça... Ah oui, d'accord, donc si tu rates tes actions, tu fais rien du tout. Mais par contre, ça peut être sympa, enfin, si on réussit souvent. Ouais. Tu le veux ou je le prends? Je le prends. Bien agir. Bon. Tout dépend de la vitesse ennemie, je me demande si ça n'influe pas le nombre d'attaques que l'ennemi fait. Ah ouais, peut-être. Ah oui, ça par contre, les ennemis peuvent faire plusieurs attaques, et donc ça pourrait leur faire moins d'attaques. On va voir, pour toi. Ah oh, je suis sûr de savoir où est-ce que va mener le tuyau bleu à gauche. À la surface du désert, peut-être. De nouveau sur scène. Ah. Oh, Do you feel asleep? Ça va, ça va. J'ai aussi la digestion. Oh. Ah. Et ben le voilà.
Là, en fait, je fais A parce que je me suis dit. En fait, j'étais surpris. Attention, je vais tomber. Ah, il faut tout refaire. Mais il y a une cinématique qui oblige Luigi à. Bien joué, bien joué. Autant les ennemis de boss ne font qu'une attaque partout. Mais par contre, les boss. Ouais, certains peuvent enchaîner beaucoup d'attaques. Donc, ouais, pour les boss, augmenter la vitesse peut servir. Oui. Let's go. Wow. Ah, ça, si on utilise la fleur, il faut utiliser les bébés. Are you ready? Ah oui. Oh! Ils ont volé une vie. Oh! Oh, il va les toucher! Oh! Oh! Ah! Donc en fait, ils doivent résister, je pense, aux fleurs. Ouais, c'est peut-être le feu. Moi, j'ai. On pourrait. Moi, je pense que ça va pas bien marcher. Il s'appelle comme. Ah, bah peut-être que le feu, lumière, effectivement. La glace, la nuit. Essayons. Allez. Patience. Ah, je vais pas avec le bébé. Ah, ouais, je me j'avais peur. Ben, canon, c'est quand bien. Ou bien ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Mais... Bah non, parce que quand t'as quand attaqué avec le saut, ça fait du 14. Ah oui, exact. Bon bah. Bah, ici, on fait un casse-œuf. Ouais. Mais ils sont censés être costauds. Ah non. Ah, toi, écoute, bon. Ah bah ouais, c'est bien ce que je veux dire. Plus t'arrives plus les bâtards. Oh, trop tôt. Ah, ils vont nous dépouiller. Comme disait Hooper. Alors là, alors là. T'es sûr que ça va les toucher? Bah je pense puisqu'on saute. Oui. Et le marteau avec le bébé. Il y a le saut, c'est déjà ça. Ouais. Mais non, bah oui, super. C'est celle qui t'est en fait. Ouais, bah je crois qu'il faut juste sauter. Ça aussi, oui. Donc ça, c'est difficile. Ah, les bâtards. Alors, et les voilà qui se maracuent. Ah oui, les petits cracoucas de merde. Ouais, effectivement. Quoi? Bien ennemi. Ah, ça se défite. Alors par contre le fantôme il va dégager. Ouais, là, tout de suite. Il va s'en aller. Alors là. Oh alors là. Je sais plus quand il a dit ça. Bah c'était. Contre Dracula. Ouais. Ah oui quand il était full vie avec plein de. Bah c'est, en fait c'était. Ouais, c'était sa dernière. Oui, il avait full vie lors de sa dernière phase. Ouais. Et bah il avait toutes ses vies aussi, je crois. Ouais. En tout cas, il flotte. Oh alors là. Oh alors là. Oh, un trampoline. Tiens. On l'avait pas encore eu. Non, mais ils ont proposé dans la boutique, mais comme c'était cher, je sais pas où c'est en prendre. On peut pas se déplacer sur le côté, donc... Ah, un passage. Pour les bébés, peut-être. Un passage. Ah bah, tu veux. Courage, c'est le triomphe. Alors, trampoline, appuyez sur le bouton... Ah. D'atterrir sur l'ennemi, il faut pas réappuyer sur le trampoline. Observez qu'il tombe de l'écran, ok. Ah, ça a l'air d'être... Ah, ok, c'est comme les canons, mais surtout. Ah mince, j'aurais peut-être dû regarder. Même principe que canon. Peut-être que là, c'est aléatoire sur les ennemis. Ouais. Si je ne pas, je bouffe le jeu. Bah, tu sais, c'est la suite de Reference Hooper. Ah, alors oui. Là, si je te nique pas. C'est vrai. Mais là, vu s'il y a un troisième. Il y a sûrement, il disait un truc du genre je vais tous les sodomiser. Il n'en reste rien. Et tu prêches le trio. Quatre passes à chaque fois. Oh, non. Merde. Ah non. Ah le net. Il peut quand même réussir. Ouais.
Ah, c'est marrant. Oh non, ah, le petit bâtard, il sait ce qu'il fait, qu'il est bien contre eux. Hein. Oh là là, je voulais contre-attaquer. Oh là là là. Les satanas, comme dirait l'autre. Mais en fait, j'essaie contre attaquer, mais c'est dur la fenêtre où tu peux les toucher et petite. Oh alors là. Ouais, pas, bah, oui. Il faut le buter. Oui. J'aurais refait trampoline, mais il nous a volé le loot, il doit mourir. C'est question. Ah, oui, c'est vrai que si on vit ceux qui nous touchent. Alors là. Ouais, il y a un moment où c'est pas toujours l'ordre des patrons. Ouais, 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 non. Je pensais pas qu'il y ait un ordre précis. Merde! Putain, j'ai appuyé sur les Y. Oui. Tiens les briques, oh petit bête. Ah, ça soulève quelque chose, ouais. Oh, alors là. Alors là. Un trampoline, je crois. Oh, bah on a récupéré tout ça. Oh, bah voilà. Très bien. Ils sont devenus riches avec moi. Oh, putain. Oh, ça fait trop de peine. Let's go. Ok, ok. Non. Ils sont trop. Il faut les exterminer. Merde. Non, pas simple. Et pour la défense de monsieur lui, lui il était tout seul, alors que nous sommes deux. mais ce tour de la moustache. J'ai peur de me planter. Il y avait un entre les deux 6. Later for Luigi. J'ai pu découvrir ce que ça faisait de se faire bully sur goûter à la récré. Pour la dernière fois, heureusement. Ah, c'était la dernière fois. It was the last time I've been bullied. Ah, j'aurais voulu qu'il se mette en dessous, mais tant pis. Bah, je t'aide. On peut se jouer comme ça. Utilisez des objets à volonté avec moins du quart de votre PV. Donc quand, ah, reste, ouais, quand il reste 25% de vie. Pas mal. Ok, les objets deviennent gratuits. Si c'est bien, si j'ai bien compris. Oui, je pense que c'est ça. D'accord, donc là on doit faire demi-tour. C'est une feuille de boule, un des trucs qui est planté par terre. Ah, attends, il y a un passage là, avec les, pour les adultes. Heureusement qu'il n'y a pas de barre d'oxygène quand tu te sens à rester peu de temps en sauter. Oui. Et regarde, on dirait du hou. Là, ça? Ouais, le truc là. C'est vrai que ça fait très plan. On dirait une feuille de hou. Bah, c'est ça, ouais. C'est bientôt Noël. Donc on peut pas encore aller à droite. Oh non! Ah, c'est fini. Ah, il fait le plan piranha, mais oui. Ouais, ça faisait aussi penser à ça. Quand je pense que c'est dans. Découvert un terrible secret. Quand je pense que c'est dans. Quand je pense que c'est dans Smash Bros. Où la plante piranha est le plus détaillée. Ah, mais il y a une plante piranha. Il y a une plante illuminée par le soleil. Ah, merde, non, 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 non. Ah! Bon, on va d'abord éloigner ces monstruosités. Ah, ils sont que deux, ils sont sympas.
Mais on s'est fait chier tout à l'heure, en fait. J'étais en train de nous dire ça tout à l'heure. Alors toi. Alors toi. Alors là. Alors là. Attends de jouer chez Trio. Allez, c'était quoi déjà? La moustache. Un moustache, c'est parti. Ah, ils m'ont enlevé les 1. Donc plus 2 en moustache, autant qu'on va. Ah, voilà, c'est bien joué. J'ai utilisé le pouvoir de la grande frette, je me suis plaint. Ah, la balle perdue. Ah non, elle n'est pas perdue, cette balle. Ah non, non. Non, quand il va... Pensez à toi quand... Je t'aime, Fredo. Il pense à toi pendant que tu regardes la revision de cette vidéo. Il profite de... Mais t'en fais pas, que même quand il est là, j'en profite aussi. Qui aime bien, châtie bien. Voilà. Voilà. Bon, d'ailleurs, bon, je pense pas que ce soit un gros spoil, mais si un jour on fait Mario et Luigi voyage au centre de Bowser... Non, ne les spoil pas. Je pense que c'est Bulldog. Ah, c'est Bulldog. Non, mais je déconne. Si, oui, c'est bien. Mais c'est possible que ce soit la grande Fred qui nous accompagne pour jouer le troisième personnage jouable de Mario et Luigi voyage au centre de Bowser. Non. Vous rendez compte? Vous allez découvrir qui est la grande Fred. Oh. J'ai hâte que tu fasses connaissance avec lui, en tout cas. Ah ouais, moi aussi. J'ai hâte de le troller, mais en direct live. Ça va être trop bien. Mais c'est un parc de jeux de terrain ou quoi? Let's go. C'est vrai, un peu. Alors là. Voilà. Oh, bah d'accord, alors là, la punition. Ah, Luigi a monté le niveau suffisamment pour attaquer avant le bout. Un troisième joueur pour le troisième perso que personne ne connaît dans le jeu qui n'a pas son nom dans le titre du jeu. Exactement. Ouais, oui, effectivement, j'ai dit troisième perso. Exactement. C'est vrai que... Je n'aurais pas dit mieux. Oula. Oula, il lui a déplacé. Wow, displacement instantané, attention, attention. Bon, je sais que le gamepad est lourd, hein. Ouais, c'est un lourd fardeau. Ou ouais, alors elles sont mariées avec Dragon Ball Z et donc ah oui, avec le déplacement du bout, j'y vais. Ah oui, oui. C'est vrai qu'il y a eu des déplacements bizarres. Si on était des youtubeurs avec des best-of, on aurait rajouté le bruit de déplacement instantané. Ah bah ça va, avec ses bruits. Et là on aurait rajouté le yeah. Mais c'est stylé quand même le tunnel en fait, avec des trucs de jungle et tout. Là on voit les plantes piranhas, ouais, dans le mur et tout. Les ronces, les racines, c'est joli. Pam, pam, pam. Il est temps de terminer le génocide des ninja looters. Du coup, vu qu'on est dans un jeu bloc, bah, ces plantes piranhas qu'on voit ont été absorbées par la grande piranha. Ou bien elles sont encore vivantes, mais pour peu de temps. Parce qu'en fait, étant donné tous les nutriments de Peach. Oh bah, et ça sert de battre les ennemis à récupérer des objets, ouais, comme ça. En fait, dans un sens, ça rappelle un peu les Paper Mario récents. Récupérer, ouais. En fait, utiliser des objets pour les combats et les récupérer en battant, ouais, les ennemis. Mais je dois le reconnaître en mieux. Bah, en fait, les derniers Paper Mario, je les aime beaucoup, hein, mais ils sont perfectibles sur pas mal de points. D'accord. C'est un peu comme la discussion qu'on a eue, le fait de défendre certains Fire Emblem ou Skyward Sword. C'est un peu le cas aussi pour Paper Mario Color Splash. Bah, je dirais pas, ouais, dire qu'il y a de mauvais Paper Mario, de ce que j'ai vu, ils ont tous l'air bien. Juste le premier qui a l'air quand même vachement répétitif, tellement il a l'air classique niveau RPG. Bah, en fait, bah... Parce que quand j'ai vu le Hooper y jouer, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vraiment un RPG à la bonne époque. C'est vrai, ça, même si la mécanique de Paper et les badges étaient quand même assez novateurs, je trouve. Oui. Ah oui, pour l'époque, mais, clairement. Oui. C'est ça. Même si tu peux jouer un peu de la façon que tu veux, mais t'as quand même un ou deux trucs qu'il vaut mieux continuer d'utiliser. Ouais.
Déjà, t'as le soin, c'est l'un des trucs les plus goldés. Mario! Pardon. L'autre sacrifice! Ah oui. Eh, c'est un hôtel sacrificiel ce truc! Eh, hey, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, bande de ploucs! Personne ne avec la progression dans les Paper Mario. Ce début comme à la fin, tes dégâts ne donnent pas l'impression de progresser. En fait, ce qu'il veut dire surtout, c'est dans Paper Mario, les dégâts sont très faibles. En fait, oui. T'as très peu de points de vie. Oui, je m'en souviens. Ouais. Et c'est vrai que là, ça évolue pas beaucoup. Au début, tu fais du 1, à la fin, tu feras du 5. Et quand tu fais du 5, tu dis waouh, ouais, c'est beaucoup. Ouais, après, ça te dérange pas. En fait, non, j'ai l'impression que les dégâts sont fixes dans le premier Paper Mario, dans mes souvenirs. En fait, non, c'est pas. Non, une attaque, c'est des dégâts. Enfin. Oui, non, ouais. Non, parce qu'en fait, tu peux augmenter ton attaque en équipant de badge, par exemple. Ouais, mais je veux dire, il y a le nombre de dégâts avec l'attaque et que tu peux modifier en augmentant. Mais tu ne feras, t'auras pas de stat d'attaque qui modifiera également les dégâts que tu fais, je crois. Alors, effectivement, en fait, tu n'as pas la statistique d'attaque, mais t'as des badges qui augmentent ton attaque, t'as aussi du buff qui augmente ton attaque, ce genre de choses là, quoi. T'as besoin des badges, ouais, pour augmenter des trucs, il n'y a pas de. Je sais même plus si. En fait, ce qui veut dire, c'est que ça. En fait, c'est. Quand tu finis par faire du sac de dégâts, c'est que t'es à la fin du jeu, quoi. Ouais, je sais, ouais. Alors que, tu sais, dans le jeu, là, j'ai vu tout le premier Paper Mario. Oui, voilà, oui, mais voilà, mais c'est de là où il veut revenir, quoi. C'est pas le rapport avec les buffs ou la stat attack. Je compare instinctivement avec les Mario Luigi où tu déplaces les deux sols à la fin des dégâts. Oui, effectivement. Mais j'aime bien, n'empêche, ce détachement de Paper Mario qui a fait de faibles dégâts. Après, c'est que dans les derniers, ça a un peu augmenté, on va dire. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, bande de ploucs. Le sacrifice! Vous venez à point nommé. Amenez votre fraise ici et libérez-moi, d'accord? Sortez-moi de là, ou je vais être transformé en chair à pâté. C'est délicieux. Allez, nous sommes amis, non? C'est moi qui vous ai donné le tuyau sur l'entrée secrète. Vous avez une dette envers moi. Je veux que vous vous en acquittiez maintenant. Zut! Ça y est, elle est parvenue à absorber ses coupes à 18. Elle est devenue Flora Piranha parfaite. Sauf la colère de Luigi suite à la perte de Mario pour nous permettre de triompher cet ennemi. Après les Paper Mario post sticker star, ils sont assez peu appréciés par les fans des deux. Ah bah ouais. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai que les bébés sont pas avec nous. Oh, ils vont être. C'est de la non-assistance pour personne en danger. Bah, dis donc que. Attends, il y a le tuyau. Et tu vas essayer autre chose à gauche. Bah oui, je suis. Ah bah oui, c'est vrai que les bébés peuvent revenir. Je suis con. Ils sont complices d'un meurtre, ils vont être arrêtés pour non-assistance. Vous me direz, il était déjà par le meurtre du maire d'Oli Jolie. Ça oui, c'est vrai un peu. Oui. Ninja Looter, jugeons-le. Jugeons-le. Ah oui, j'ai vu que t'avais acheté Elden Ring. Oui. Quand je l'ai vu dans un magasin de cash, je suis... Oh, allez, il faut jouer Deus Vult. Sans Deus Vult, ouais, peut-être que... Ah oui. Franchement, c'est surtout Deus Vult qui m'ont tenté à jouer ça. Après, ça faisait un moment que je me suis dit, faudrait peut-être que j'essaye du Dark Souls, etc. Et je me suis dit, oh, il y a Deus Vult. Allez, on va faire ce jeu. Voilà. Après, entre ce que les fans disent sur le net et la réalité, je ne sais pas si elle est large ou pas. Ça dépend, oui, mais ça arrive, oui, que... La vie sur les derniers Paper Mario, ouais. Bah, pour moi, un très bon exemple, c'est Metroid Prime Federation Force. Les gens le détestent, et juste parce que tu joues pas Samus.
Ce que je trouve un peu con, mais... Bon, il n'y a pas que ça qui décrit. Oui, mais, oui, bien sûr, mais c'est la grande partie du pourquoi ce jeu est détesté. Parce que tu joues pas Samus. C'est pas la raison principale. Ah, mais de ce que j'avais vu, si, t'as les gens... Ouais. Oh, tu peux t'amuser, c'est pas sur laquelle il crie le plus fort. Ah bah, de ce que j'avais vu, c'était surtout ça. J'ai jamais vu de vrai... Il le jugeait moche graphiquement et multijoueur égale caca, quoi. Non, ton multijoueur est génial. Oui, mais en fait, c'est le principe de jeu multijoueur, un jeu Metroid, c'est ça. Oh là là là. Et Metroid Prime Hunter, ils en font quoi? Ah, je te jure. Franchement, les multijoueurs de... Ils en sont forts, c'est très très bien. Du coup, bah, en fait, Zelda Force Sword, c'est nul, du coup, puisque c'est multijoueur. Arrêtez! Désolé, j'avais senti la fin. C'est un spin-off. Quand est-ce qu'il. Ah! Oh! 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 J'ai surtout de la chatte. C'est comme Mario Kart, c'est tout à fait Mario Kart, c'est de la grosse merde, puisque c'est que du multijoueur. On a une période de grand vide après l'épisode considéré comme le pire de la série. Oui, enfin. Pour moi, c'est pas non plus raison de haïr. C'est comme Byleth dans Smash, c'est le dernier du premier DLC, c'est pour ça qu'il est détesté. Bah, je trouve ça con parce qu'on savait qu'il y aurait un autre après. Enfin, on savait après, c'est sûr. Si ça avait été le tout dernier perso, tu vois, j'aurais compris la déception des joueurs. Puisque, comme dernier perso, un perso de Fire Emblem, là, tu vois, j'aurais compris que les joueurs auraient bien ragé sur Byleth. Mais moi, je savais que de base, je me suis dit, oh, il y aura une deuxième vague de DLC. Bah, décidément, ça veut pas. Moi, j'ai fait deux malheureusement. Mais oui, mais Smash Bros, c'est de la grosse merde, du coup. C'est nul à chier, Sakurai nous a menti pendant tout ce temps. Ah, du coup, ouais, Metroid Prime 4, il met son bout de temps. Ça va bien faire un an et demi, deux ans qu'ils ont dit qu'ils le recommençaient à zéro. Bah, c'est ça, et puis bah, pas de nouvelles. Après, moi, je suis pas sûr. Hein. Oh, maintenant, là. Dommage, parce que niveau intégration, bah, c'est plus pertinent que Ike ou Roy. C'est pas tout à fait vrai. Roy, c'est simple, c'est parce que à l'origine, c'était Sigurd de Fire Emblem 4 qui était prévu, mais ils se sont dit qu'ils allaient faire la promotion du Fire Emblem de Roy, ce qui était logique, comme ils ont fait avec d'autres personnages dans Smash. Et Ike. Il fallait mettre Ike dans Smash, c'est le héros préféré des fans de Fire Emblem et de loin. Donc c'est comme Cloud. C'est Ike, c'est le Cloud de Fire Emblem. C'est littéralement ça. C'est comme si dans Dissidia, t'avais pas Cloud, ça aurait été complètement stupide. Puis si Ike, c'est vraiment, vraiment, si tu devais garder deux persos de Fire Emblem dans Smash, ce serait Marte et Ike, rien que pour la représentation. Mais ce serait pas forcément au niveau gameplay les plus pertinents, mais... Oh putain, j'ai fait une tromper. Mais clairement, si on devait enlever des personnages de Fire Emblem, jamais Ike serait enlevé. Jamais. Ah. Le niveau gameplay... Ah non, ça change pas. Déjà, faire honneur à un jeu de stratégie dans un jeu de combat, non, c'est un peu compliqué. Je trouve que Ike, il a été très bien représenté, et Marthe aussi, hein. Marthe de base, si, Marthe, il représente très très bien la série. T'as l'âme dansante qui représente le fait qu'on puisse attaquer plusieurs fois dans Fire Emblem, la contre-attaque qui représente le fait que ce soit un jeu de stratégie ou on contre-attaque. Toi, t'as regardé la vidéo de Brodol? Non. Ah ouais? Non, mais par contre... Ah non, c'est Sakurai qui l'avait dit. Déjà, il l'avait dit pour le... C'est le contre-attaque en effet qu'il avait dit dans une vidéo, bah, je crois que c'était sur Byleth, mais pour la lame dansante, je me doutais que c'était ça, et ça a été confirmé plus tard par Sakurai. Non, Brunol, non, je savais pas qu'il parlait de ça. Bah, en fait, ta vidéo de Marte, ça a été sortie il y a deux jours ou trois, c'est pour ça. Ah bah d'accord, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mais c'est vrai qu'il a parlé de l'interview de Sakurai. Ah oui, mais oui, c'est vrai, mais il a fait son mieux effectivement dans Byleth pour représenter Fire. Ah oui, et je trouve qu'il a fait un bon taf de ce côté. Et Ike, en vrai, il a des coups qui sont en référence du jeu de base, hein, du jeu d'où vient Ike. Hein. Oui, oui. Au début, la flamme, il n'y avait pas vraiment hein, dans Pass of Audience, mais la flamme qui est devenue bleue vis-à-vis de ce qui lui arrive à la fin de Radiant Dawn, oui, tout à fait. D'ailleurs, est-ce que selon vous, ils peuvent se permettre de retirer des persos pour le potentiel prochain opus, comme ils ont fait dans Brawl E4? Moi, ce que je pense... Ça me dérangerait pas. Ce que je pense, c'est que soit ils vont faire un Smash Ultimate Deluxe,
Donc on aura tout avec quelques ajouts, une dizaine de persos et un autre mode solo ou deux autres modes de jeu ou autre. Et une Wi-Fi impeccable, on peut peut-être espérer ça. Ouais, c'est pas mal. J'ai l'impression d'avoir raté la pièce au sud là-bas. Ah, ah peut-être oui. Ah mais oui. Soit ils vont faire une sorte de reboot, soit avec du nouveau gameplay, soit avec, soit carrément créer de nouveaux personnages. J'ai fait un déplacement, c'était trop bizarre. Mais en fait, ce serait s'ils devaient vraiment. Oh, Dieu. Nous sommes coincés dans une dimension alternative. Et là, de toute façon, il y a des speedrunners qui vont regarder ça. Y a-t-il une petite. Oh bordel. Un potentiel. Oh mon Dieu. Pour accéder au poste de la petite Français en découvert. Attention, champion. Mais clairement, si vraiment le prochain Smash a moins de personnages, il faut qu'il compense par quelque chose. En effet, il y en a pas mal qui parlent de, entre guillemets, la mort de Smash. Ça, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais en effet, il y en a qui disent qu'avec tous les personnages qu'il y a eu dans Ultimate... Bah, c'est très compliqué de revenir en arrière. Voilà. Parce que, tu vois, entre Melee et Brawl, enlever quelques personnages pour en mettre d'autres à la place, c'était pas un souci. Mais à chaque fois, on a eu de plus en plus de persos. Donc, au nom, ils atteignent déjà le boss final en moins de 5 heures de souvenir. Ah oui. Eh, ça se trouve, grâce à ce glitch, ce sera en 4h59 minutes. Ouais. Et on sait à quel point une minute, c'est précieux. Eh, n'empêche, référence au royaume de Végésia. Oui, oui. Ah, mais il y en a eu plusieurs. Oui, ouais, il y a eu le smiley quand avant la boutique de Cracovite. Ah oui, bah oui, bah Cracovite, en effet. Mais s'il y en a eu d'autres avant Cracovite, ça. Oui, normalement, il y en a eu d'autres. Ah ouais. Oui, je crois que j'en avais vu. Ah ouais. Ah, c'est vrai, par contre, est-ce qu'ils vont... Parce que oui, les droits, c'est temporaire, effectivement, les droits d'utilisation de personnages. Bah oui, ça, je suis d'accord. Bah, moi, ce que j'ai surtout envie d'un prochain Smash Bros, moi, j'aimerais bien qu'il reset, en fait, les stages. J'en parlais tout à l'heure. Ça peut pas être bête comme ça, et on pourrait se dire, bah, c'est pas plus important, les stages existent déjà, pourquoi pas. Alors, déjà... Mais j'aimerais bien, franchement, un renouveau des stages, des terrains. Ouais. Alors, c'est con, mais pour Sora... C'est très con, mais... Ouais, c'est vrai, ils vont pas les garder. Les non, en fait, tu vois, moi, je pense que paradoxalement, si, les droits, ils vont les avoir pour longtemps. Pour une simple et bonne raison, c'est que Disney est en train de se casser la gueule sévère. Ah ouais, ouais. Et du coup, bah, toute source de revenus est bonne, donc une petite collaboration avec Smash, remettre Sora, voire mettre d'autres persos de Kingdom Hearts pour un peu remplir les caisses. Surtout que c'est con, mais... peut-être. Surtout qu'apparemment... Nintendo était plus emballé de la fusion de Sora que le créateur de Kingdom Hearts lui-même. Enfin, il était plus inquiet. Oui, il devait avoir peur, oui, qu'il gâche Sora, mais c'est bon, c'est sa corail. Vous devez jouer à un jeu chronométré. Ah, mais il faut toucher le bloc qui va apparaître sur l'écran du bas. Voilà, parce que les gens ne jurent que par Kojima, mais je suis désolé, après Metal Gear, pour moi, Kojima, il a plus rien fait. Franchement, Death Stranding... Ah oui. Death Stranding, quand j'ai vu le gameplay, quand j'ai vu les joueurs jouer, je me suis dit, mais... Bah, c'est typiquement le jeu par moi qui plaît pas à tout le monde. Bah ouais, mais ça a pas l'air extraordinaire en fait. Et son prochain jeu, bon, c'est de l'horreur donc ça m'intéresse pas, mais bon, voilà. En fait, ça va être un mélange de films et de. En fait, ça m'a fait marrer parce que ça, c'était pendant les Game Awards. C'est le nouveau jeu de Kojima qui a été annoncé. Et il t'as Kojima qui était en mode ouais, vous avez vu, je suis trop un génie parce que je vais faire un jeu vidéo. Mais qui est en même temps un film. Tu sais à quoi j'ai réagi? Ah merde. J'ai réagi en disant ça, tu l'as déjà fait Kojima. Ça s'appelle Metal Gear Solid 4. C'est un film ce jeu. C'est un putain de film. J'ai jamais vu autant de cinématiques dans un jeu. Bah pourquoi ils se cassent la gueule? Leurs remakes sont d'une qualité impeccable, faisant honneur à leur vision d'origine. Alors moi j'ai aucun problème à ce que les adaptations prennent beaucoup de liberté vis-à-vis de l'origine. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est de mettre des acteurs noirs pour mettre des acteurs noirs. Mais en soi, la petite sirène, le gros problème que j'ai surtout avec, c'est qu'il y a zéro émotion. Alors que quand tu compares en effet avec l'original, où j'ai ma petite larmichette à chaque fois que je regarde la fin, là, clairement, la fin de la petite sirène, c'était oh, Gérard, on n'a plus de budget. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un jiggle en fait de réussite. Les honneurs et améliorant et en transcendant le seigneur d'origine. C'était de l'ironie. Oui, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la petite sirène n'était pas si pourrie que ça. En fait, j'irais presque dire que les gens l'aiment pas forcément pour les meilleures raisons. Parce que vraiment, je dis pourquoi pas changer. Parce qu'au moins, ils ont fait un effort. Ils n'ont pas juste mis des personnages qui sont censés être blancs et les ont rendus noirs.
sans aucune raison, c'est que là, la petite sirène, ça se passe dans des Jamaïques fantasmées. Donc au moins, on se dit, bon, bah, c'est pas déconnant. Et c'est con, mais il y avait un truc intéressant parce que... Non, mais les remakes live Disney, Burke. Alors, il y en a un qui... J'ai bien aimé La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, ça allait. Après, j'ai juste eu deux, trois petits soucis, mais à part ça, ça allait. Préparons-nous à Blanche-Neige et la Sirène. Non, apparemment, il va être bel et bien annulé tellement il fait un flop. Ah oui, ils vont pas le faire. Ah oui, mais et apparemment, l'actrice principale qui ne fait que dire de la merde de A à Z va se faire virer. Ah bah, elle arrête pas de dire, ah oui, à Blanche-Neige, c'est de la merde, elle se fait stalker par un prince. Et en plus, elle fait partie de ces gens qui disent qu'elle était pas consentante au bisou du prince, donc c'est dégueulasse. Mais putain, après le bisou du prince, elle est toute sourire et elle fonce dans ses bras. Est-ce qu'elle ressemble à une femme qui est forcée? Et c'est un conte de fées, bordel de merde! C'est un conte de fées! Le rayon qu'est l'enfer avec les lions sans aucune émotion. Ça aussi, moi ça me gêne pas parce que c'est des lions. Et ils avaient décidé de faire des lions avec des émotions et qu'il avait dit oui, là ils auraient raté. Mais ils avaient voulu donner un côté réaliste. Je peux comprendre qu'on aime moins, mais moi, ça me gêne. Après, pas. Comment veux-tu faire le réaliste quand il parle, enfin, quand il y a du... Enfin... Bah, tu avais un film qui s'appelle La Terre des Rois. C'est un film où il y a des lions qui causent et tout. Et, je me souviens, j'ai vu ça, j'étais gosse. Les lions ont des émotions, mais ça se voit pas trop parce que ce sont des lions. Mais en soi, je trouve que c'est pas gênant. L'Espagne ne donne pas envie la réaction du roi lion. Je vais regarder, franchement, ça va. Et en soi, Jamel Debbouze en Timon, pas mal, franchement, ça passe pas mal. Ça passe pas mal. Et s'il n'embrasse pas, elle reste morte. Oui, en plus. Non, maintenant, tu vas dire, non, ne prenez pas mon corps, vous portez atteinte à mon intimité. Quoi. Non, mais il y a des gens qui vraiment disent ça, hein, que le prince a à limite violé à Blanche-Neige. Alors que dans l'original de La Belle au Bois Dormant, oui, le prince, il n'a pas attendu qu'elle se réveille, La Belle au Bois Dormant. Il lui a fait trois gosses avant qu'elle se réveille. Ah ouais? Oui, dans le conte original, il lui a fait deux, trois gosses avant qu'elle se réveille. Je savais pas. Oui. Et ne parlons pas de Pinocchio, hein. Pinocchio... Pinocchio, ouais, j'ai vu comment ça se... Dans l'original, mais c'est une saloperie. C'est les ghosts, mais irrécupérable. T'auras beau être le meilleur papa du monde, ça reste une saloperie. C'est Naël. Pardon. Naël, tu sais, la racaille qui s'est fait buter, que les gens pleuraient. Ah, pauvre petit ange qui a failli tuer plein de gens et qui a 15 signatures. Littéralement, il n'avait pas de casier judiciaire parce qu'il était mineur. D'accord. Mais c'était un criminel endurci, connu des services publics. Et un flic l'a tué, en fait, parce qu'il a refusé d'obtempérer, qu'il était en train de faire une course-poursuite. T'avais pas entendu parler de ça? Oh là là, non. Ça avait fait le tour de la France. Oh là là, c'était... Oh, c'était quand? C'était il y a 3 mois maintenant, je crois. Ah ouais? Oh putain, j'ai raté. Un peu plus, même. Mais... peut-être j'ai vu l'article, mais j'ai pas vu... Bon, après, c'est sûr, c'est super l'affaire. J'avais pas trop suivi l'affaire, mais ça en parlait tellement. Et donc, en fait, bah, il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale pour ce petit con. Merde, j'ai plus de... Alors que c'était une racaille. Et je me dis, mais bordel, l'Assemblée nationale qui est censée protéger le peuple français, le peuple honnête, qui fait une minute de silence pour une racaille qui était dangereuse. Il était dangereux. Parce que j'irais pas jusqu'à dire qu'il fallait le buter. Sûr que non. Mais il refusait d'obtempérer après une course-poursuite dangereuse avec le pic. Bah, le mec a fait son boulot, c'est tout. Au bout d'un moment... Quand tu joues avec le feu, tu te brûles. Bah, le problème aussi, c'est qu'il s'est cru... Il s'est cru intouchable. Parce que oui, en effet, à chaque fois qu'il faisait des conneries... Et quand il faisait des conneries, bah, on lui faisait juste une petite tape sur la main, même pas. Et on disait, attention, hein, c'est pas bien ce que t'as fait. Enfin, bref. Ils ont quand même retiré dans La Petite Sirène pour embrasser là, car cela va à l'encontre du consentement. Le prince fait du rentre-dedans sans la volonté d'Ariel, alors que c'est Ariel qui fait du rentre-dedans et qui veut, car sinon elle meurt. Oui, parce que oui, dans La Petite Sirène originale, je sais pas si tu le sais aussi, mais La Petite Sirène, elle meurt. Elle devient de l'écume à la fin. Parce qu'en fait, dans La Petite Sirène originale, en fait, comme dans le Disney, Ursula prend une apparence humaine, elle se fait appeler Vanessa. Mmh. Sauf que dans le conte original, elle réussit. Ah oui. Elle épouse le prince. Oh. Du coup, Ariel... Elle meurt, elle se transforme en écume. Et en fait, sa peau blanche, justement, qui est décrite, c'est une ombre portée. C'est un foreshadowing de ce qui va lui arriver. Et
c'est pour ça que la version de Andersen est tellement plus... Oui. Et quand elle devient une sirène, c'est hardcore pour elle. Le mec, il décrit à quel point elle a mal. Et je crois qu'elle enseigne, d'ailleurs. Quand elle devient humaine, tu veux ouais, dire oui, quand elle devient humaine. Oui. C'est ce que je voulais dire. Et oui, la petite sirène, le conte original, oui, il est atroce. Je crois que c'est la Belle ou la Bête où ça va. Enfin, c'est pas les héros à qui il avait un truc atroce. Quoi ? C'était les... dans la Belle et la Bête. Je crois que. Enfin, j'avais lu. Je m'en souviens plus. En fait, je crois que Belle a des sœurs et c'est à elle, en fait, il arrive des trucs. Oui ! Bah, tu vois les trois blondes bonasses qui tournent autour de Gaston ? Ouais. Bah, c'est elle. Ah, c'est une représentation de elle. Ouais, c'est une modification, tu sais pas, oui. Et bah, du coup, c'est une adaptation de merde ! Eh ben ouais, parce que ça sort de l'original. Oui, parce que je me bats sans cesse contre les gens. C'est pas comme dans l'original, donc c'est nul. Je veux bien qu'on aime pas une adaptation, mais au bout d'un moment, faut arrêter de dire c'est pas comme dans l'original, donc c'est nul. Si vous voulez, c'est comme l'adaptation de Death Note sur Netflix, que je trouve très bien. Beaucoup disent c'est pas comme dans le manga, c'est nul. Vous voulez l'histoire du manga? Lisez le manga. Bordel. Regardez l'animé, vous avez la chance d'avoir déjà deux versions. Ma fleur, est à moi. On va la reprendre. Chaque pas, tu auras l'impression de marcher sur du verre. Oui, c'est... Voilà, merci, c'est ça, ouais. C'est ça, elle avait l'impression de marcher sur du verre au début. Fleur blanche, comme pour Blanche-Neige, c'est pour prédire son sommeil sous la lumière de la clairière. Ah, d'accord. C'est une vitre de verre qui empêche le bronzer. Oh, je te prenais au sérieux. Bien joué. J'aime bien la chute. Bien joué. Bien joué. Ah oh, dis donc. Oh oui, j'adore ces masques-là. Ils sont tellement beaux. Ils sont tellement tendance. Chocoline. Ah, mais là, on en a des trucs. Wow. J'appuyais. Non, pardon, faut faire comme l'ours. Putain! Ah oui. Moi aussi, on peut m'attaquer, accessoirement. Voilà, ça a tué. Oh! Ah, j'ai plus mon chapeau! Ah, mais quelle fourbe! Quelle satanasse! Faut l'éliminer avant qu'il parte! Enfin, après, je ne sais pas s'il fuit, hein, mais. Merde. Dans le livre de la jungle, Mowgli, il est violent envers les humains. Ah ouais. Il est fait attaquer. Oh. Ah bah ce qui est logique, hein, il est élevé comme des bêtes sauvages et tout. Et bien aussi tout simplement moralisateur en mode les humains sont pas gentils. C'est pas possible. Et on avait vu dans le livre original, Baloo n'est pas qu'un simple épicurien tout gentil. C'est marrant que quand ils ont fait le dessin animé, ils n'ont pas appelé le film de la jungle. Le film. Quoi ? Non, l'adaptation de la jungle. Pitou ! Bon, j'ai touché le bout, effectivement, il n'y avait pas l'Xbox ou quoi. Je me souviens plus s'il se passe quelque chose si tu brûles le sarcophage. Enfin, je pense pas que ça brûle puisque c'est du caillou. Oh, c'est peut-être du sang. L'anarchie ! Ah oui. Ah. Merde. Oh, oh, oh. Ah merde. Qu'est-ce que j'adore quand ça se passe. Bah à chaque fois on a jamais réussi à aller jusqu'au bout de ce côté là. C'est vrai. J'aime bien c'est Camille il est passé tu sais genre pour faire le
Le beauf et tout. Ouais, c'était mieux le premier, hein. Tiens, c'est vrai. C'est ton jugement. Après, bon, je trouve ça rigolo. Et ouais, un petit troll. Et puis, je le savais, voilà. Mais bon, après, bon, il n'est pas disponible, il n'y a pas de souci. Et du coup, il voit pas. Il y a un gros souci. ça, c'est l'attaque. Oh là là. Oh. En fait, quand, est-ce en fait, que les forces vont s'équilibrer. En fait, le truc, c'est que quand il y a des 6 des 2, en fait, 2 et 6, ça s'entend tellement que j'ai du mal à les différencier. Voilà. Pourquoi j'ai autant de 1? Toutes les stades de logis sont inférieures à celles de Mario, j'ai pas le droit à. Bah. Ouais. Désespère. Est-ce que les attaques infinies sont déjà revenues dans un jeu? Je sais qu'il y a des portails mystères dans Voyage au centre de Bowser. Oui, il me semble que cette attaque est infinie, ouais. Mais je crois que là-dedans, il n'y a pas d'attaque infinie pour l'instant, j'ai l'impression. En fait, je pense qu'il parle d'attaque infinie qui peut. Il peut continuer à l'infini tant que tu appuies sur lui. Ouais, comme il y en avait deux dans Superstar Saga. Et comme il y a les portails, en effet, dans. Le champ peut se faire infiniment. D'accord. Ah, les champs, c'est infini, d'accord. C'est ça brûle. Il fait trop chaud. Ah, ils ont plus leur. Ça a solidifié le sable, fort bien. Ils ont. Oh, c'est fourbe. Bon, c'est presque le même timing, ça va. Cela déteste Mario, apparemment. Et bien, monsieur lui avait raison. Ouais. Oui. Ce micro! Est-ce que tu vas bien? Non, je vais pas bien! Je suis tombé 25 fois, bande de petits cons! Let's go! On y retourne! Parti pour le trampoline! Quand même, puis on avance, hein. Ouais. J'ai réussi à le louper. À la fin, on se dit. Le truc, c'est quand c'est petit, t'as du mal à identifier si c'est le bébé ou l'adulte. À la fin, ouais, je pense que sur. Mais si on regarde le Game Pass, ça serait peut-être plus facile en fait. Ouais. Je regarde l'écran, mais si on regarde le Game Pass. Oui, pareil, pareil. Mais c'est vrai que ouais. Peut-être un peu mieux en effet. C'est vrai que le trampoline est vraiment rigolo. Ah ouais, oui, en effet. C'est aussi infini trampoline. Hein. C'est la question que je me posais. Yeah. Il y a de l'infini. Ou alors, monsieur lui, en fait, il dit ça, mais il a jamais réussi à atteindre le bout de l'attaque. Non, c'est méchant. Oh là là. Sacré Ben Norris. Et il fait pas souvent des blagues, mais alors quand il en fait, ouais, donc, ça tire à balle. En fait, ça tire de vraies balles et du coup, il devient pas drôle, il fait pleurer son auditoire. J'ai bon réflexe. Ah voilà, donc là, le sarcophage tire des flammes. On rappelle qu'il y a un autre masque dedans. Bah, c'est peut-être un masque qui pète du feu. Hein. Regarde le gamepad du coup. Ah mais c'est mieux. Tu vois le précédent. Ah mais non, c'est pas le même précédent. Ah ok. C'est moi qui me suis planté. Oh. Ah mais il a réussi à avoir son canon. Ouais, c'est ce que je me disais. Ah ouais. Ah ouais, c'est très très chaud en fait. Je croyais que c'était plus rapide que ça. Bah c'est ça. Ouais mais c'est pour ça que je me suis fait avoir plusieurs fois également. Ouais, trampoline. Yeah.
moi tu as fait brûler monsieur lui. Bah, j'aurais dire, j'ai fait bouder Yokozé en lui dit, en l'envoyant balader, en disant qu'il avait tort pour la stratégie contre le Xigler. Maintenant, c'est au tour de monsieur lui. Je suis trop exécrable. c'est l'attaque. Le bébé va faire mal. Correct. L'autre bébé va faire mal. Ah, c'est bon ça. Il va te faire très très mal. Regarde, c'est une énigme. Mais, en fait, je voudrais d'abord placer les adultes, je pense en haut, parce que j'ai vu une, bah, là, une couleur qui peut. Avant de voir ce qui va se passer lorsque nous allons taper sur ce bouton rouge. Ah bah, les badges qu'on voyait en magasin, tiens. Ah d'accord. Je m'attendais à un truc un peu plus... En cas danger certifié. Merci, monsieur. Il nous a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance. Donc, il pourra trahir notre confiance à tout moment pour nous troller. C'est ça. La vengeance est un peu... Oui, je me doutais en plus. J'allais rajouter en plus avec ce que tu viens de lui faire, il va vouloir se venger. Oh, c'est un... Oh non! Eh, hey, c'est de Mario qu'on veut se venger, pas de Luigi! Non, là, ça sert à rien, je suis... Oh! Il a changé son rythme! Comment t'as chassé ma main? Oups, je dégage. Merci. Laisse-moi te dire. T'es chiant, t'es chiant. On tente de battre le record de 8 en un live. Le nombre de... Ah oui, le nombre de... Oh no! Oh no! Toujours pas terrible, bébé Luigi. Ah, ça y est. Ah. Yes. Ah, ya, ya, ya. Tu as une croix à droite, bas. Ouais, du mètre. Ouais. C'est un peu ça, oui. Hasta la vista, baby. Voilà, on en a plein pour 8%. Oui. J'ai hâte de faire la grimace. La meilleure manière d'achever des monstres. Les matelas qui te sortent limite des screamers tellement tu vois pas leur attaque arriver. Mais tout à l'heure j'ai crié, ouais, hein. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ah. Oh. Ah. Pour une fois que c'est Mario. Mais qui va se relever. Voilà. Ah, j'ai mis ton comme ça boue. Ils sont seuls, c'est eux qui sautent. Ouais. Je sais pas ce qu'on va être froid, non, ouais.
C'est vrai que, ouais, je serais tenté de fuir. Alerte, attention sur bande. Hein. Avec les bons bruits. En plus, bébé Mario n'avait pas de soucis. En fait, c'était parce que bébé Mario n'avait que 30 PV, je me suis dit. Oui, et puis ils sont pas énormément de défense donc. C'est ça, ouais. Et oui, ces bonbons sont une chance pour la France. Donc, je sais pas si tu as vu, je fais référence à ce que dit la France insoumise des terroristes. Ils disent que ce sont des chances pour la France, voilà. Ça tue des Français, mais c'est une chance pour la France, ces gens-là. En fait, c'est très simple. Pour la France insoumise, quelqu'un issu de l'immigration est forcément quelqu'un de gentil. Il peut pas y avoir de méchant parmi eux. C'est un truc qui me rend dingue. Mais non. Ah oui, pardon. L'inverse de BFM TV. Quoi. Je sais pas si tu vois, quand on regarde les trois séries RPG, la seule qui est encore ramenée à la vie, c'est Mario RPG. Et... eh oui, bah peut-être, hein, peut-être que le retour de Mario RPG, de ah, Peter oui, Mario, la part millénaire, ah, c'est peut-être un annonciateur de... Et puis Mario Luigi n'est jamais apparu sur une console de salon. N'empêche que si Mario Luigi reviennent un jour, j'espère qu'ils vont garder la 2D. Hein. Enfin, en tout cas, la 2D qu'ils ont instaurée avec les épisodes 3DS. Ouais. Hein. Ça n'empêche que les jeux sont très... Enfin, j'adore leur style graphique. Regardons si nous avons bien obtenu mes trésors. Ouais, je pense. Attends, il y a trois pièces pour battre Favrim, c'est ça la même chose, il y a peu de chance. Bah, si ce sont des équipes compétentes qui reprennent. Bah, Alpha Dream, c'est en fait l'équipe qui avait fait Mario RPG. Oui, et puis il me semble que Alpha Dream, c'est une partie de Nintendo. Bah, c'était, bah, en tout cas, ils appartenaient. Ouais. Comme Intelligent Systems, c'est également une partie de Nintendo. Fait qu'Intelligent se prendra le défi de faire Mario Luigi. Hein. Enfin, en vrai. Bah, c'est ceux qui font les Paper Mario. Ouais, ouais. Ah. C'est une énigme, enfin des churros. Les plateformes vont se mouvoir quand les frères vont rouler. Ah d'accord, c'est le nombre de blocs restants à frapper. Mario RPG, c'était surtout les créateurs de Square Enix, non? Ah oui, effectivement, Mario RPG... Ah, le premier, oui. Oui, effectivement, Mario RPG, c'est Square Enix face Squaresoft à l'époque qui avait fait. Après, il y a eu des disputes entre Nintendo et Squaresoft. Et en fait, les gens qui ont quitté Square Enix, bah, c'était les gens qui avaient fait Mario RPG et qui ont monté Alpha Dream, en fait. Si j'ai bien suivi mes cours d'histoire. Il faut demander à Edouard. Laissons les adultes. Mais non, il faut demander à Monsieur Pichon. Ah oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé l'épisode d'Edouard, mon dieu. Bah, ça y est, il est de retour pour la saison 5. Ouais, je sais, mais je crois que c'est depuis genre la fin de la saison 3 que je l'ai plus regardé. Ah oui, donc t'as pas vu la 4, d'accord. Ouais, je crois que c'est ça. Donc effectivement, c'est pas du tout un Intelligent System qui était derrière Mario RPG. Ah non, non, oui. En tout cas, s'ils s'occupent d'un Mario Luigi, ce serait leur premier coup d'essai. Nintendo, ils ont fait beaucoup de mauvais choix pour l'époque 64 entre Sony et Square. Ah oui, alors là, Sony, s'il s'attendait à ce qu'il faisait, oh là 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 là. Vous direz... Ouais. C'est parti pour le trampoline. Mais après, est-ce que si la PlayStation avait été faite chez Nintendo, est-ce que ça aurait été mieux? Ça, c'est pas bien. C'est sans... bah, le monde aurait été différent. Oh oui, ça aurait sans doute été un mal pour un bien. Oh. Ah oui, c'est vrai qu'on peut les stun.
Pas forcément, puisque Sony voulait absorber Nintendo depuis longtemps. Ouais, mais il n'aurait fait qu'essayer. C'est pareil, t'avais... je me souviendrai toujours à cette histoire. Quand je l'ai apprise, j'ai bien ri aussi. Mais après, ils connaissaient pas encore le marché, donc c'est normal aussi. Mais au début, la première interaction entre Microsoft et Nintendo, c'est littéralement Microsoft qui a demandé à Nintendo « Les gars, on peut vous racheter ?» Comme ça, on se lance dans le jeu vidéo. Et Nintendo a littéralement fait « D'accord, à ce qui paraît, ouais. » Bah oui, normal. Donc oui, beaucoup mettent comme réaction bah, justement le directeur de Peter Parker de photographie dans Spider-Man qui est vraiment dans le film. Bah, quand Peter lui demande un poste. Et qu'à la fin il fait « Vous êtes sérieux ?» Et c'est vrai que oui, c'était en gros la réaction de Nintendo. Bah, en fait, à l'époque, Microsoft, il commençait à être puissant, mais ils n'y connaissaient rien à l'industrie du jeu vidéo. Donc ils croyaient que c'était une industrie comme une autre. Et comme ils étaient puissants, ils se disaient « Bon bah, hey, bien vouloir qu'on les achète, c'est normal, on est puissant et tout, et on est américain aussi. » J'appuie sur les deux boutons en même temps, ma faute. Bah. Ah, une belle... ah oh, sympa. Heureusement que j'ai... Enfin, ouais, j'ai sauté, mais trop tard, j'ai de la chance. Monsieur lui qui connaît. Oh non. Bah oui, oui. Le quatrième. Avant, ça me gêne pas. N'empêche que là, ça grind bien. Ouais. Défense. L'effet en deux choses en 3D étonnamment bien fait pour la DS. Ouais, je suis d'accord. Oui. Ah, pas mal. Bien joué. Oui. À un moment, je me souviens, j'avais fait une nouvelle partie dans Mario et Luigi, Voyage au sort de Bowser. Je faisais un reset à chaque fois que je faisais pas le maximum de stats. En gros, ça sert à rien, quoi. Enfin, les bonus te permettent de rattraper ces niveaux perdus. Je pense qu'à droite, c'est... Ah non. Non, je pense que là, c'est un cul-de-sac qui est à gauche à la suite. It's a trap, but I avoided the trap. Boss. Il n'y a pas de sauvegarde, pas encore. C'est vrai qu'il n'y a pas de sauvegarde encore. Il y a le boss tout de suite là, tu seras chaud pour qu'on le fasse. Oui, oui. Bah, oui, voilà, tu sais tout de suite quoi. On va finir sur deux, oui. Ma salle de sauvegarde dans la pièce d'à côté. Pour le boss. Cet ennemi en couche-culotte a également mangé Killy. Couche-culotte, la Vapora Piranha. Mario et compagnie sont-ils les suivants sur la liste? Pitié, débarrassez-nous de cette chose! Libérez-nous du malin! Ça, par contre, j'ai pas vu où il disait ça. Libérez-nous du malin! Ouais, je sais pas d'où ça vient, non? J'ai entendu d'Opervania, mais je serais pas dit. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est justement d'Opervania. Et ça m'a fait éclater de rire, je fais putain, il a carrément dit ça. Mais c'est ça, ouais. Quand il perd une vie, c'est trop drôle. Ouais. Mais Opervania, il est en trop réussi. Ah oui, Opervania, c'est incroyable. Chapeau, hein. Franchement, les gars, chapeau. Ah ouais, attention, c'est vraiment la porte du boss, quoi. Ah ouais, là, c'est THE. La porte du boss, mais sans avoir la clé du boss. Dans l'interrupteur du boss. J'aurais été sûr. J'allais dire, c'est piégé. Ma pièce! C'est ma pièce! D'accord. Mais moi, j'ai le bloc vide, attention! Il va pas être content, il n'y a pas de pièce. Il
T'as Mario qui lui laisse la place, tu sais. Ah non. Je me rends compte comme un ah non. Ils sont plus bien avec la cinématographie. Ah ouais, clairement. Là. C'est dans plus faire genre 10 secondes un peu combat mais. Heureusement qu'il attaque pas au premier tour hein, parce que là tu prends pas le pied pas. Mon fétiche, celui que j'ai obtenu lorsque j'ai nettoyé pour la première fois les chaussures de quelqu'un à mon premier salaire. Hein. Ah oui le petit pièce qui était dans le. Donc attention, fera faire un vol là. Oh bien joué. Regardons la télé, c'est pas rappeler un art et puis devenir Picsou s'il avait investi dans le Bitcoin avec cette. Eh ah. Oui. T'as l'histoire. Ouais, moi aussi. Ouais, quand t'es. Ouais. Là, n'empêche, là, tu vois, je sais pas si tu vois, mais j'en demande le fuite en fait de fou, ouais. Mais c'est moche. Ah oui, oui, je c'est vois. Mieux pixelisé que ah, oui, clairement. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de gimmick et on peut la taper. C'est ça la gimmick. Alors, allez. Je crois que si sont bien faites. Son attaque, c'est bien. Et son attaque est force. Ah oui. Là, dans ce cas. Alors la mine. Alors là. Oh alors là. Baby 230 c'est quand même bien. Ah Mario. Oui d'accord. Ah super. Je crois que c'est fini. Ah ok. Ah attention Luigi. Voilà, au moment où tu mets fin à l'attaque hein. Ouais. Speedrun, il faut te prendre le coup. Je suis un tank. Ouais, je vais plutôt faire ça. Ah oui, t'as raison, comme il est au sol, ouais. Ouais, à mon avis, il nous gobe si on saute, je veux pas prendre de risque. Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas facile là, mais. Ah oui, c'est vrai que du coup, la gueule ouverte, on peut se prendre un coup, c'est vrai. Je sais pas ce que tu veux en venir. Bah ouais. Luigi! Ah, j'ai compris. Comment le faire à disparaître le plus tôt possible? Non!
En fait, il faut le frapper au dernier moment pour le faire partir plus loin. D'accord ? Ouais, c'est vraiment l'impression. I trust in you. C'était pas une bonne idée. Mais je déconne pas, tu m'as mis la pression. Oh non! Do it again! Oh non! D'ailleurs, c'est pas I trust in you, c'est I trust you. Ah oui, j'ai dit une, pardon. Ouais, pareil, tu peux dire I have trust in you, ça tu peux. Oh! Nice! We got a super party! Dis au dernier moment, pas tu te le Bah c'est soit ça, soit c'est vraiment un nombre prédéfini assez long hein. Non, parce qu'il y avait plus ou moins long. Non c'est bon. Non, c'est, non mais bon, c'est difficile à ah savoir. Ah ouais non. Bon, parce qu'il y a un nombre ouais, de ouais. Ah ouais, c'est pas... Ce n'est pas ce que je pense. Ce qui paraît, tu as de nouveau de la défense normale. Non, ça non, n'empêche que j'ai bien ce système d'objets. En fait, tu utilises tous tes objets, pas seulement celui qui utilise le plus de points frères, ouais. Le plus fort et tout. Et là, enfin, là, on se voit en tout cas vraiment changer selon la situation. Quoi. Le jeu est généré en objet sur la carte. Oui! Ah oui, mais clairement. Hein. Tu te balades un petit peu, les ennemis t'en donnent, les objets t'en donnent. Ah oui, non, franchement, on est yeah. Déjà... Ah, il n'y a pas la princesse Peach. C'est trop facile, c'est vrai. C'est vrai. Elle a été chiée entre temps. Aïe, je me suis cogné la tête, mais ça va. J'espère que mon appareil n'est pas cassé. Mais ce sont mes amis moustachus. Vous avez battu cet énorme végétal. Youpi! Youpi! Quand ce clown m'a avalé, j'ai bien cru que c'était la fin. Ou peut-être que Peach a déjà été digéré. Avouez les gars, est-ce que cette grosse tête avait le fragment? Mais c'est super. Regardez ces étincelles et vous vous sentirez. Punaise! À l'intérieur du cristal, quelqu'un me regardait, les garçons. C'était son reflet. Ah! Je dois perdre la boule et j'ai besoin de repos. Elle s'est fait assimiler. Bref, que comptez-vous faire une fois tous les morceaux rassemblés? Bah, sauver le monde. Détruire le... oui, sauver le monde. Vous formez de belles équipes, mais vous n'arrivez pas à la cheville. Vous faites du bon boulot, mais c'est moi la meilleure. Oh. Oui, j'ai récupéré un petit objet Xampi quand ces abrutis aliens m'ont capturé. D'accord. J'ai bien le goût, là. Ouais, franchement, pas mal. Ouais. Bien joué. Bien son jeu. Bien joué, bien joué. Je crois que c'est une clé qui ouvre quelque chose à l'intérieur du vaisseau mère. Qui sait ce dont cette beauté est capable si on la serre dans le beau trou de serrure. Oui. Mais vous pouvez parier votre dernier champi que ce sera le scoop du siècle. Hein, vous voulez savoir si la princesse Peach était dans le ventre de la plante Piranha? Elle y était, oui. Elle y était. C'est incroyable, les gars. La princesse Peach était effectivement là-bas. Mais lorsque j'ai été dévoré, elle a été recrachée. Oh, elle a été chiée. Tout était prêt pour qu'elle m'accorde une interview exclusive. Je suis sûr qu'elle est enfermée quelque part dans ces grottes. Je vous conseille d'ouvrir l'œil, les gars. Quant à moi, je vais tenter de découvrir comment je peux utiliser cette clé. Cela veut dire qu'il est temps pour moi de vous quitter. Bonne chance, mes moustachus. Flora Piranha Parfaite avait déjà craché Peach. Elle n'était pas sous sa pleine puissance. C'est pour ça que vous l'avez battue sans que Mario n'ait à se sacrifier. Ah, au fait, je vous revaudrai ça. C'est faire. Bon, dès qu'on verra le prochain point de sauvegarde pour regarder à quoi ressemble la suite. Ouais. Oh, le bloc vide est plus là.
Bah, je suis content niveau timing, on a bien avancé. Ah oui. Et puis c'est l'heure à laquelle bah, toi tu vas devoir prendre la route. Tout pété. C'est une énigme. Serait-ce pas, je sais pas si c'était voilà. Le but. Alors... Ah non, ce n'est pas ma... ce n'est pas Peach. Serait-ce possible? Est-ce vraiment vous, Mario? Ah oui, c'est vrai que Peach tutoie Mario. Mario, au secours! Mario! Alors attends, c'est très confusant. C'est personne d'autre que... Ou bien quand c'était vous, elle parlait à Mario Luigi, puis bah, elle a dit oui. Mario à la place de ça. Ouais. Ouais, peut-être. Ah non, ah, ah elle est contrôlée. Ah oui, les trucs roses, ça... Ouais, il y a un truc qui va pas là. Oh, oh putain, oui. Ah oui, 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 je... Oh. Oui, c'est... L'animation était parfaite. Pour Peppa Loire, Luigi, que dit Monsieur Lee. Ah, ça y est, what's going on? J'adore ce que dit Monsieur Lee, pourquoi Peppa Loire, Luigi? Oh, les bébés qui s'amusent sur le lit de Peach. Comment se... Ah non, c'est le jeu. Comment ce shopping a-t-il osé défigurer notre jolie princesse? Moi, peut faire ça. Je suis curieux de savoir comment il est parvenu à ce collet-là. Comme c'est cruel. J'avais enfin la chance de voir le beau visage de la princesse adulte. Même si je préfère toujours qu'on soit mort. Nous n'avons plus qu'à attendre que ça pourrisse et que ça tombe. Je veux parler du champignon. On voulait être sûr. Que vous souffrez. Vous souffrez, ma chère. J'adore. Ah oui, le oui, je souffre. En mode... Oui. Qu'est-ce que vous venez de faire? La jeune demoiselle pleure de nouveau. Une princesse ici, une princesse là. Ce n'est pas notre repos. Et l'important, c'est que la princesse aille bien. Je sais pas si elle va si bien. Votre Altesse, allez vous allonger quelques instants. Ben, très bien. Mais clairement, oui, il y a beaucoup d'inspiration à Alien. Hein. Ouais. On va juste voir si... Enfin, le discours de Castrophe, de Tastrophe, pardon. Tiens, mon cher Trio, plus que quelques minutes. Bah, bah, bah. Pas de soucis. Ah non, c'est les papilles qu'on allait voir. Je sais pas si ça nous avait guéri. Un peu de retenue, viens-moi. Ah, c'est ta maîtresse. Procédons comme d'habitude. Ah, une nouvelle attaque, Yo. C'est quand vous voulez. C'est parti! Petit papy champi, la princesse, elle n'est pas contente! Zut! La toupie de papy semble l'agacer! Ah ah, incroyable! What the hell? D'accord. Viens-moi, elle est en train d'imiter notre mouvement! Va gerber partout. Mon clip n'est pas Asta. Vous aimeriez apprendre notre mouvement? Maître Luigi, vous avez sauvé la princesse. Vous méritez une petite pause. J'ai besoin d'apprendre d'autres mouvements pour l'instant. Comme vous le voyez, rendre notre petite altesse heureuse est un travail à plein temps. Nous disposons même quelques minutes pour vous apprendre à voilà, apprendre tu l'as. Une bagatelle. Laissez-nous souffrir en taisez-vous, viens-moi. La princesse adulte est en sécurité, mais elle est mal rôde en sécurité. La gueule de la sécurité, putain. Bon, je trouve votre défectisme et votre négativisme affligeant. Vivre sûr de mauvaises choses et je refuse de finir mes jours de la sorte. Je pense que t'es pas le jeune. Mais c'était le jeune papy qui parlait. Ah oui, mais oui. Très bien.
Ah oui, en effet, c'était jeune. Vous voulez apprendre? Bien, je vais vous montrer. Je vais tout vous montrer. Oui. En fait, il va falloir faire la toupie sur les bébés et c'est là où ils vont voler, en fait. Ouais. Vous avez juste à entrer en contact avec les bébés lors d'un saut en vrille. Les bébés se mettront alors à tourner haut et loin. Regardons les bébés tourner, cette technique s'appelle la toupie des bébés. Deux bébés, pardon. Et donc, c'est notre spécialité, nous pourrions même en faire notre métier. Il n'a pas plus toute sa tête, ce mouvement est assez simple. Essayez. Bah c'est sympa en fait, au début on faisait boucle sur les bébés, mais en fait plus tard c'est vraiment un move. Quand les bébés s'en vont, appuyez sur la croix directionnelle. Utilisez la croix directionnelle pour diriger les bébés pendant qu'ils glissent et descendent lentement. Ah, vous essayez, utilisez la toupie de bébé pour propulser les enfants dans les airs. Donc en fait j'ai le contrôle... Oui. Très bien. Excellent. Vous pouvez désormais atteindre tous les endroits surélevés. Ce qui serait utile en fait dans le désert avec tous les blocs qu'on pouvait pas atteindre. Mais qu'allons-nous faire? Elle est tellement exigeante, ça ne l'amuse déjà plus. Dans ce cas... Oh, c'est un petit sport. C'est pas vraiment fou, pas la princesse. C'est la princesse. Je vous l'interdis. Allons-y. Jamais! Jamais! Non! 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 Cesse! On dirait une tarte. Ah ouais? Chère princesse, qu'avons-nous fait? Regardez, vieille branche! La princesse sourit! Donc on a fait deux moves. Et une crêpe de bébé une. Ouais. Si la princesse a pu organiser ça, je pense que les bébés Luigi Mario ils peuvent. Quel hein. Dites-vous, vous aimeriez apprendre notre mouvement? Je veux bien vous apprendre ce mouvement, mais mon partenaire est encore choqué. Cette fois, je vais vous expliquer moi-même cette nouvelle technique. C'est assez simple. Commencez par activer le mode bouffe. Ensuite, vous devez juste entrer en contact avec les bébés. Les fabuleux pouvoirs de la bouffe vont aplatir les enfants comme des crêpes. Ils pourront aussi se faufiler dans des endroits les plus étroits. Mais ne vous inquiétez pas, ils reprendront leur forme normale après un court instant. Puisqu'il ressemble à des crêpes, appelons cette technique crêpe des bébés. C'est exactement ce qu'a dit Monsieur ouais, ouais. Lui. C'est, il nous a spoilé, bannez-moi ça. Je viens prendre le mouvement de virer tous les os de votre corps afin de finir en crêpe. Ça existe dans Harry Potter. Latam et Mando. Et donc c'est temporaire, c'est ça, c'est pas... Parce qu'on peut toujours sauter. Ah oui, okay, on va le cool down. Et les bébés semblent s'être très bien amusés. C'est comme une tente décathlon, tu la lances, elle se déplie. Princesse! Elle est vraiment morte en fait. Pardonnez-moi! Je suis un vieux fou. Non, des courants d'air! Oh merde! Non mais. Ah. Ah, regarde, c'est une énigme! Ah, il faudra retrouver la princesse. Moi, tout est de votre faute. Vous faire à présent, comment comptez-vous rattraper le coup? On va laisser faire les autres. Ne rajoutez pas de piment à la sauce. Je déteste qu'on me mette la pression. Si je voulais me voir dans l'embarras, j'irais rôter tout le monde. Quoi? J'irais rôter devant un miroir. C'est la première fois que je vois quelqu'un. Pourquoi tu dis je vais rôter? Ah non, mais on parle de rôt, quoi. Mais ils ont vraiment de ces allégories dans ce jeu, c'est magnifique. Mais la princesse! Silence! Maître Mario et les autres vont réussir à sauver la princesse, comme toujours. Oh, bon, d'accord. T'es insouciant, n'empêche, pas mis champion dans sa jeunesse, hein? Oh oui.
Vous allez la sauver, non, je vous assure qu'elle n'est pas dans un autre Mais ça s'enchaîne, c'est génial. Nous comptons sur vous, messieurs. Nous devons laisser Maître Mario et les autres s'occuper de cette affaire. Alors, nous devons... Bouboule. Ah si, ah, Bouboule, ça marche aussi. De toute façon, je me disais bien que c'était en rapport avec eux. Mieux, les crêpes. Les crêpes. Oui. Ah oui, en plus, tu devais faire les crêpes avant. Ouais, bah si. Et mort, je te dis. Excellent travail, vous avez toute notre gratitude. Chère princesse, allons faire une petite sieste. Nous avons tous mérité un peu de repos. Bon, allons se regarder. Ah, je te dis. Oh, pour la sauvegarde, ça va attendre un peu. Qui ça, le prince Arik? On y va ou on y va pas? Oh, on y va, je suis curieux. Bon. Ah, ou Bowser peut-être? Je pense que bah oui, il s'est donné de Bowser. Ah, j'adore l'eau. Dans 30 ans, il n'y en a plus. Ouais. C'est ce que disait Jean-Claude Van Damme il y a un peu de 50 ans, il me semble. Bon, les jeux, là, se regardent quasi instantanés, je ne sais pas. Ah oui. Pouvoir me faire de fait là. Il n'était pas encore tout à fait celui qui se dit dans Mario Luigi 3. Il avait encore... Enfin, il n'était pas encore très si mûr que ça. Ouais. Dites-le attaquer maintenant, qu'il toupait. Bah. Cette fois, la princesse restera ma prisonnière. Ah, Mario et cette meubie de verre sont ici. Quelles sont mes chances? Jamais, comme je me suis déjà pris une belle raclée, mais pas cette fois. Écrit dans mon horoscope, aujourd'hui je vais tout gagner. Ah, c'est moi qui commande. Oula. Ça va me piquer aussi. Ah! C'était pas une bonne idée. Bravo! D'accord, ok. Ouais, c'est comme ça le Covid chez Mario. Alors, ah! Libérez-la, grande princesse sur le champ. Ah, bah voyons. Vous pouvez pas atteindre, madame. Ouais. Eh bien, nous découvrirons la destination la prochaine fois. Je me dire ce qu'il arrivera. Ah bah ça, ils ont respiré la vapeur violette, mais tout va bien. En fait, c'est là qu'il y a la théorie. Ils sont tous morts à partir de là, et la suite n'est qu'en fait un rêve ou je ne sais quel connerie. Il en fait la princesse, la routine, quoi. Oui. Il faudrait prendre un autotest. Oh, eh bien les enfants, en espérant que cela vous aura plu. Eh ben en tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Moi aussi. Eh ben je pense que nous ne nous verrons pas avant 2024. Non, en effet. Enfin,
entre 2023 et 2024, nous verrons. Mais il est là devant les gens. Là, voilà. Non, voilà. Oui, bah. Il faudra entendre un peu avant de. Mais bon, mois de décembre est bientôt fini. Et ben, c'est avec joie que nous continuerons l'aventure, en tout cas. Et du coup, ben, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, une bonne santé, tout le tralala qui va avec. Et puis, ben, nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes. En tout cas, avec vos proches. Ouais, et d'autres. S'il y a d'autres. Ou je sais pas quoi. À la prochaine, les enfants. Salut à tous et bonne soirée.